أعوذ بكلمة الله تعالى من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La gloire et la louange tout entière appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui, de par sa grâce et son immense miséricorde, a permis que cette rencontre puisse avoir lieu. Nous nous excusons pour le retard qui n'est pas vraiment dû à notre volonté. C'est une histoire d'embouteillage qui a un peu causé tout ça. Donc on s'excuse déjà auprès de nos pères, des imams. Nous sommes les élèves d'Abdul Majid. La Bam Sourate 17, verset 81. Pourquoi 17-81 en référence à la Sourate 17, Suratul Isra? Au verset 81, voilà, il dit Subhanahu wa ta'ala, Badaju billahi minashaitan rajim, wa kul ja al haqq wa zaqul batil, in al batil akena za'uka. Il dit, la vérité est apparue et l'erreur a disparu, car lorsque la vérité apparaît, l'erreur n'a d'autre choix que de disparaître. C'est un groupe de jeunes musulmans, comme vous les jeunes qui êtes en face de nous, qui ont, n'est-ce pas, pris pour mission, ils se sont donné pour mission de défendre la cause de l'islam dans les limites de leur connaissance, à savoir utiliser la Bible, utiliser le Coran, utiliser tous les livres à la surface de la terre présentant des doctrines en dehors de l'islam pour essayer d'appeler les gens vers cette belle religion à l'islam, comme Allah le dit dans la sourate 16, verset 125. Odu'u ila sabili rabbika bil hikma wal ma'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. À savoir, appelle les gens au sentier de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière. Et comme Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit dans la sourate 12 verset 65, il dit Kul azihi sabili, il dit dis, voici ma voix. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam, il est clair. Allah lui dit dis, Kul azihi sabili, voici ma voix, voici la voix du prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. Et quelle est donc cette voix là? Il dit Adoro ilallah, j'appelle les gens à Allah. Ana wa mani taba ani, moi et ceux qui me suivent. Allah basuratin, bien avant il le dit. Nous basons sur une preuve évidente. Et la preuve évidente, selon tous les savants, c'est le Coran. C'est la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Donc, chers frères et sœurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, comme je l'ai dit tout à l'heure, a permis que cette rencontre puisse avoir lieu. Il y a plusieurs rencontres aujourd'hui à la surface de la terre, en ce moment précis. Il y a des rencontres où les gens se sont rassemblés pour parler de football, futilité. Il y a des rencontres où les gens se sont rencontrés, n'est-ce pas, pour parler de la débauche, pour consommer l'alcool, futilité. Il y a des rencontres où les gens se sont rencontrés pour parler peut-être de la politique politicienne, c'est-à-dire la politique mensongère, futilité. Mais cette rencontre-là est l'une des meilleures rencontres qui existent sur la terre. Et selon les propos du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, il n'y a aucune rencontre qui puisse égaler ce genre de rencontre-là si ce ne sont que des rencontres similaires. C'est-à-dire, si on doit comparer les rencontres, il n'y a aucune rencontre qui a la valeur de cette rencontre-là sur la terre. Si ce n'est une rencontre où on fait la même chose, c'est-à-dire une rencontre où on parle d'Allah. Parce qu'Allah le dit dans le Coran, il dit « Wala zikrullahi akbar ». Il dit « Le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand ». En dehors du rappel, même si tu ne comprends pas l'arabe, quand tu entends, on dit « Allahu akbar ». On dit « Zikrullahi akbar ». Tu entends déjà le mot « akbar », tu sais que ça parle de ce qui est plus grand, ce qui est au-dessus de tout. Donc de la même manière que Allah, il exprime sa grandeur avec le superlatif « akbar », il a Kébir, mais il dit Akbar, ça y est le superlatif. Il utilise encore son rappel pour dire la même chose. Il dit Azikrullahi Akbar. Et pour encore montrer l'importance de ce genre de rencontres, on va dans le Coran. Allah dit Ya lezina amanu, la tulhikum amwa'lukum wa la awladukum an zikrillah. Il dit oh, vous qui avez cru, que ni vos biens, que ni vos enfants, les choses les plus importantes, pour l'homme sur la terre. À savoir, les biens, c'est pour ça qu'on se réveille à 4h du matin pour aller à l'arrêt de bus. Aussi les enfants, c'est pour ça qu'on se marie, c'est pourquoi on dépense des sommes extravagantes pour le mariage, c'est pourquoi, n'est-ce pas, on sort pour aller se chercher, pour pouvoir assurer un avenir à notre progéniture. Allah dit, ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Il dit, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Il dit, mais ceux qui se laissent distraire, pas par des futilités, mais par leurs biens, et par leurs enfants du rappel d'Allah, il dit ceux-là sont les perdants. Donc, pour dire que cette rencontre, la chère frères et sœurs, est de la plus grande importance, et nous devons donc nous asseoir, comme on a pour habitude de le dire, comme des bouteilles vides.
On s'assoit, on écoute, on est attentif à ce qui se passe ici. Parce qu'en réalité, l'ouïe qu'Allah nous a donné, ce n'est pas pour écouter les futilités. Les yeux qu'Allah nous a donné, ce n'est pas aussi pour regarder la futilité. Là, le raisonnement qu'Allah nous a donné, chers frères et sœurs, ce n'est pas pour méditer, pour réfléchir sur n'importe quoi. Excusez-moi du thème. Parce qu'il le dit dans la sourate 16 au verset 78, il dit « Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ». Il dit « C'est lui Allah qui vous a tiré, qui vous a extirpé du ventre de vos mères, alors que vous n'aviez aucune connaissance. » Qui, lorsqu'il était bébé, lorsqu'il avait, n'est-ce pas, moins d'un an, moins d'un mois même, était capable lui-même de pouvoir faire ce qu'il a fait. Mais Allah, il dit « Waja'ala lakumu sam'a ». Il dit « C'est lui qui vous a donné l'ouïe depuis le ventre de vos mères ». Et ça, ça montre encore la suprématie, ça montre encore la grandeur du Coran. Parce que scientifiquement, il a prouvé que lorsque le fœtus est dans le ventre de la mère, le premier organe qui se forme sur lui, c'est, n'est-ce pas, c'est lui. C'est pourquoi Allah, tout ce qu'il dit est bien chronométré, est bien millimétré à son sens. Lorsqu'il commence, il dit « Waja'ala lakum sam'a ». Il vous a donné d'abord l'oreille, lui. Les yeux. Ensuite, il vous a donné les yeux. Wal absara. Il vous a donné les yeux. Les cœurs. En plus de cela, lorsqu'Allah vous donne les yeux, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour regarder des futilités. Ce n'est pas pour s'asseoir à 1h du matin pour regarder des scènes qui, n'est-ce pas, montrent des films des adultes. Non. Les yeux, c'est pour, n'est-ce pas, regarder, apercevoir la grandeur d'Allah au travers de ces signes. Parce que nous sommes remplis des signes d'Allah autour de nous, chers frères et sœurs. Il dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi fil layl wan nahar la ayatin li ulil albab. Il dit il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il dit il y a des signes. Mais comment on voit ces signes là, ou bien comment, n'est-ce pas, on arrive à méditer sur ces signes? C'est à travers les yeux. Cela nous a donné la vue. Donc Allah, il mentionne ces yeux là ce n'est pas fortuitement. C'est pour que nous puissions méditer. C'est pour que nous puissions regarder les cieux lorsque tu lèves la tête vers le ciel. Tu vois la grandeur de ces cieux. La perfection avec laquelle les cieux ont été construits. Et le mot construit est utilisé par Allah lui-même. Lorsqu'il utilise la sourate An-Nazi'at, il dit « Antum ashaddu khalqan amissama'u banaha ». Il dit « Oh vous, êtres humains, êtes-vous plus difficile à créer que les cieux qu'Allah a pourtant construit ?» Il dit qu'il a construit les cieux. Mais est-ce que vous avez déjà vu des traces, comme les maisons qu'on construit à traces de briques? Est-ce qu'on a déjà vu des fissures dedans? On y a humidité. On n'a jamais vu humidité dans les cieux. On n'a jamais entendu que les cieux ont une faille. Mais Allah, il a mis tout ça là pour que nous puissions méditer sur la grandeur de celui qui a créé ces cieux. Regardez l'étendue des cieux. Ça s'éteint, n'est-ce pas, à perte de vue. On ne sait pas où ça finit. On ne peut pas atteindre les cieux sans un pouvoir illimité, comme Allah le dit dans le Coran. Il nous dit encore que Rafa'a samkaha fasawwa. Il dit, c'est lui Allah qui a élevé bien haut la voûte du ciel. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, Allah c'est une merveille. Nous devons à chaque fois méditer sur Allah. Chaque regard qui n'est pas suivi d'une méditation n'est que futilité, c'est perte de temps. C'est-à-dire que toi, tu prends tes yeux, tu regardes quelque chose, et puis tu ne médites pas à travers ce regard-là. C'est une perte de temps. Le disant l'imam Ali radiallahu anhu. Tout regard qui n'est pas suivi d'une méditation n'est que perte de temps. Il dit, c'est lui qui a élevé bien haut la voûte du ciel. Est-ce qu'on a déjà vu les piliers? Lorsqu'on a une maison, le toit de la maison, il y a des piliers qui tiennent le toit. Mais il n'y a aucun pilier visible qui tient le ciel. Je dis bien visible. Parce que le pilier qui tient le ciel, c'est Allah. Il y a un pilier, ce pilier-là, c'est Allah. Mais il n'y a pas de pilier visible comme on voit dans les poutres de nos maisons. Mais Allah, il dit tout cela pour que nous puissions méditer là-dessus. Pour que nous puissions méditer, n'est-ce pas, aussi sur la terre. Parce qu'il dit, la création au-dessus de la terre. Lorsque la terre s'est faite pour laisser sortir les plantes, tout ça là, c'est Allah qui le fait. C'est lui qui fait descendre l'eau du ciel. Amma, sababun alma, asobba, summa shakakun al arda shakor, fa an batna fiha habban wa inaban wa kadban wa zaytun, wa nakla wa adaika hulba. Allah, ici, tous ces miracles là, chers frères et sœurs. C'est pas pourquoi on lise et puis on, n'est-ce pas, on essaie de faire sortir de belles voix, on essaie de donner des frissons aux gens à travers les belles voix et puis c'est tout. Parce que Nabi alayhi salatu wasalam, il avait dit à un moment donné, le Coran allait se limiter simplement à la gorge ou à la langue. Parce qu'on allait, n'est-ce pas, se limiter aux belles voix qui récitent le Coran. Lorsque tu vois quelqu'un pleurer, ce n'est pas parce qu'il médite, c'est parce que le lecteur a une belle voix. On ne dit pas que c'est forcément mauvais, mais on dit qu'il faut méditer sur le Coran. Parce que le Coran, c'est pour la méditation. Et tout, n'est-ce pas, continue le verset, on va aller sur ce verset, ce passage-là maintenant. Les cœurs. Wal afa'ida. Allah, il parle maintenant de la raison. Et toute réflexion qui n'est pas suivie d'une prise de conscience, c'est aussi une perte de temps. Lorsque tu as regardé la grandeur des cieux,
Lorsque tu t'es regardé toi-même, ta constitution, ton cœur qui pompe, ton cœur qui bat, ta respiration, qui a donné l'ordre, n'est-ce pas, ou qui a montré au cœur qu'il doit pomper pour que le sang circule dans tout le corps? Qui a donné l'ordre, n'est-ce pas, aux narines d'inspirer et d'expirer? Qui a donné l'ordre à tes doigts de faire des, n'est-ce pas, des gestes lorsque tu veux indexer quelque chose? Qui a établi tout cela? Toutes tes réflexions qui n'est pas suivie d'une prise de conscience, chers frères et sœurs, c'est aussi une perte de temps. Donc, à chaque fois que nous réfléchissons, nous devons nous dire, Allah, il a donné le cerveau à toutes les créatures, n'est-ce pas, les hommes surtout. Mais il y a des gens qui ont le cerveau, mais qui n'arrivent pas à méditer. Parce que, un, soit ils sont pas, ils n'ont pas la raison, soit ils ont la raison, mais malheureusement, ils sont mécréants. Donc, eux, la méditation est très, très loin d'eux. Donc, nous qui arrivons à méditer, en réalité, c'est une grâce. Donc, chaque réflexion que le musulman a, ça doit être suivi d'une méditation. Si Allah a fait ça, c'est pour ça. Si Allah m'a fait, c'est pour ça. Alors, pourquoi Allah il a créé les hommes? Il nous pose la question dans le Coran, dans la sourate 23, verset 115. En disant, Fa'asibtum, annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vers Allah ne sera pas fait le retour? Quel est donc le but de la création de l'être humain, chers frères et sœurs? Avant même cela, nous allons nous, n'est-ce pas, méditer, nous allons nous entretenir sur la chance qu'Allah a fait de nous d'être des hommes. Il dit dans la sourate 17, au verset 70, Walakad karamna bani Adam. Il dit, il a, n'est-ce pas, élevé le fils d'Adam. Il a fait du fils d'Adam la meilleure de ses créatures. Nous avons fait de l'homme la meilleure des créatures. Nous avons constitué l'homme de la meilleure des manières. Et l'homme, il va être, n'est-ce pas, ramené au niveau le plus bas, au travers, n'est-ce pas, de ses actions. Il dit encore, et par là, est celui qui l'a harmonieusement façonné. Ça aussi c'est une grâce. Il lui a insufflé son immoralité tout comme sa bonne moralité. Cette faculté là, les anges ne l'ont pas. Les anges n'ont pas la faculté, n'est-ce pas, de pouvoir obéir ou désobéir. Ils n'ont pas la faculté de choisir ce qu'ils veulent faire. Et ils obéissent exclusivement à Allah. Mais cette grâce là, Allah il l'a fait à qui? Au fils d'Adam. Et on met quand la sourate 2 verset 34 ainsi que la sourate 7 à partir du verset 12. On va méditer Inch'Allah sur l'histoire de notre père Adam. Et Inch'Allah, on va essayer de prendre de la graine et on va essayer de voir aussi pourquoi nous sommes sur la terre. Parce qu'on entend souvent des jeunes dire, des jeunes qui pensent que la jeunesse est une fin en soi. Il se lève, il dit, lui n'a pas demandé à venir sur la terre. Du coup, lui, comme il est comme poulet sans propriétaire, il fait ce qu'il veut. Il agit comme il veut, il œuvre comme il veut. Alors qu'en réalité, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et celui qui l'a créé a établi le but pour lequel il a été créé. Il a aussi établi la voie qu'il va emprunter pour pouvoir atteindre ce but-là. Et c'est les différents éléments que nous allons voir ce soir, Inch'Allah. Pourquoi il nous a créé? Quelle est la voie qu'il nous a donnée pour pouvoir atteindre le but de notre création? Allons-y. Sourate 2, le verset 34. Rapidement. Lorsque nous demandons aux anges de se prosterner devant Adam. Lorsque Allah il a créé Adam, notre père, il a demandé aux anges de se prosterner devant lui, pas pour adorer Adam, mais pour montrer l'honneur, l'élévation qu'il a donnée à notre père Adam. Allons-y. Il s'est prosterné à l'exception d'Iblis. Alors il y a un qui a refusé de se prosterner, qui a refusé d'obéir à l'ordre d'Allah, et celui-là c'est Iblis. Et Inch'Allah, on va y revenir sur son histoire. On va dans la sourate 7 à partir du verset 12 et on essaie de descendre Inch'Allah. Sourate 7 à partir du verset 12, rapidement on descend là-dessus pour partir. Sourate 7, allons-y. Verset 12. Allons-y. Allah dit, oui, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je te l'ai alors, commandé? Alors, le Coran est une merveille. Le Coran étant fait pour des gens qui font des efforts. Le Coran, ce n'est pas pour les paresseux. Parce que l'histoire est répétée dans beaucoup de versets, dans beaucoup de sourates. Mais là, il y a des détails qu'il donne ici, il y a des détails qu'il ne donne pas là-bas. Donc, pour comprendre, il faut lire tout le Coran. Les détails qui ne sont pas donnés dans la sourate Al-Baqarah qu'on a lu tout à l'heure, ces détails-là sont donnés dans la sourate Al-A'raf. Et c'est ces détails-là qu'on va lire, Inch'Allah. Lorsque Iblis refuse de se prosterner, Allah, il n'est pas un dictateur. Dans ce sens où, il ne donne pas le choix à l'homme de se défendre. Allah donne le choix à l'homme de se défendre. C'est pourquoi il nous donnera le choix au jour de la résurrection, mais on va y revenir, Inch'Allah. Donc, lorsque Iblis refuse de se prosterner, Allah ne le punit pas, il ne le châtie pas d'un coup. Mais Allah, il demande ses raisons. Parce qu'il a donné la faculté à Iblis d'obéir comme de désobéir. Il lui a donné Fahamaha, Fujuraha, Watakuhaha. Il lui a donné les deux. Donc, au nom de ces deux qu'il lui a donné là, il lui pose la question. Il y a Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de m'obéir, de te prosterner devant Adam alors que je te l'ai ordonné? Allons-y. Il répondit. Alors Iblis va répondre. Je suis meilleur que lui. Subhanallah. Voilà ce qui est en train de perdre la jeunesse aujourd'hui, chers frères et sœurs. L'orgueil. Lorsqu'on vous fait un rappel, vous dites non, ne me juge pas.
Lorsqu'on lui dit tu es dans la mauvaise voie parce que tu es brutal, il dit tu es en train de me juger. Lorsqu'il est dans le couloir avec les enfants des gens et que tu lui dis arrête, c'est pas bon, il dit tu me juges. Voilà ce que Iblis a fait. Iblis a refusé de reconnaître son erreur. Première étape. Reconnaître son erreur, c'est la première étape du changement. Parce que celui qui se complaît dans son erreur, qui refuse de reconnaître son erreur, pour lui là c'est un cas désespéré, il ne va jamais changer. Il ne va jamais délaisser la mauvaise voie. Comme au Ramblais ici on le voit. On refuse d'accepter, on refuse même d'écouter le rappel. Parce qu'on sait que si on écoute le rappel, ils vont dire quelque chose qui va nous accabler. Quelque chose qui va nous mettre face à nos mauvaises actions. Lorsque la mère, dans un foyer de polygamie, va aller, n'est-ce pas, essayer de gâter les enfants de sa coépouse au travers des charlatans, au travers des Touraboutila, de ceux qui se font appeler Karamoro. Il refuse d'écouter ou elle refuse d'écouter le rappel. Elle refuse de revenir vers Allah. Parce qu'elles savent que si elles entendent, ça va toucher leur cœur. Parce que le cœur, là, ça a été fait pour adorer Allah. Et ça, c'est le comportement de Shaitan. C'est le comportement de Iblis qui refuse d'accepter son erreur. Allah lui demande, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Il dit, lui, le meilleur, l'orgueil, Al-Kibr. Alors que le seul à pouvoir, n'est-ce pas, être orgueilleux, c'est Allah. Voilà, Al-Kibr, il y a aussi Samawat ou Al-Abd. Et ici, on traduit ça par quoi? Par la grandeur. Parce que c'est lui qui est au-dessus de tout. Celui qui est au-dessus de tout, c'est lui seul qui a le droit d'être orgueilleux. En dehors d'Allah, l'orgueil n'appartient pas aux créatures, chers frères et sœurs. Et Iblis, il a été orgueilleux vis-à-vis d'Allah. Il a refusé d'accepter. Il a dit, lui, il est meilleur. Alors que cette place qu'il dit être meilleur, là, c'est Allah même qui lui a octroyé cela. Comme l'histoire de Karun dans le Coran. Allah lui donne la richesse et il pense que cette richesse-là est due à sa force, à son pouvoir. Allons-y, on va continuer sur le verset. Tu m'as créé de feu. Et qu'est-ce qu'il utilise pour, n'est-ce pas, ce maître supérieur? Il dit que lui, il a été créé de feu, l'objet de sa création. Est-ce que c'est Iblis lui-même qui s'est créé? Non. C'est Allah qui l'a créé. Allah l'a créé au travers d'une matière que Allah a aussi créée. Donc, il est création sur création. Mais lui, il refuse parce qu'Allah l'a créé de feu. Et puis, il dit encore, tu m'as créé de feu. C'est Allah qui l'a créé. Et puis, lui, il dit à Allah, c'est parce que tu m'as créé de feu que j'ai refusé de t'obéir. Ah, chers frères et sœurs, lorsqu'on essaie de méditer sur ce passage-là, on voit qu'on est dans pratiquement la même erreur qu'Iblis. Sur beaucoup de points. Parce que lorsque Allah t'octroie une richesse, en réalité, la richesse que tu as eue, ce n'est pas dû à ta force ni à ton intelligence. La richesse, là, c'est Allah qui t'a donné. Parce que c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre. Tout ce qui est sur les cieux et la terre, comme trésor, ça appartient à Allah. Il le dit dans la sourate 15. La sourate 15 à partir du verset 24, on va lire, Inch'Allah. Sourate 15 à partir du verset 24. Sourate 15 de verset 24. Si tu as le verset, tu peux commencer. Sourate 15 de verset 24. Allons-y. Et nous connaissons certains. Non. Ceux qui parmi vous ont avancé. Et nous connaissons ceux qui tardent encore. Sourate 15 à partir du verset 24. Allah, il est clair dans sa parole. Il dit Kullu shay'in min kaza'in illa. Wa in min shay'in illa indana kaza'inuhu. Wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Tous les trésors des cieux et la terre appartiennent à Allah. Il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de richesse qui ne soit dans le, n'est-ce pas, dans la caserne d'Allah. Et c'est lui Allah qui fait descendre ça en fonction, n'est-ce pas, de manière millimétrée, comme lui-même il le veut, d'une manière que lui seul il sait. C'est ce qu'il dit dans le Coran, dans la sourate 15. On revient sur notre verset pour continuer, Inch'Allah. On revient sur la sourate 7. Donc, c'est un par orgueil, il refuse d'obéir à son Créateur. Allons-y. Sourate 7 à partir du verset 14. Au verset 13. Allons-y. Allah dit. Oui. Descends d'ici. Alors lorsqu'il refuse et il donne une justification à son péché, bien entendu, Allah le charge de la position de gloire dans laquelle il se trouve. Descends d'ici. Parce qu'il a été mis dans une position de gloire. Allah l'a enlevé dans cette position de gloire. Allons-y. Tu n'as pas t'enflé d'orgueil. Sors. Oui. Te voilà parmi les méprisés. Ça fait un autre élément. Verset 14. Allah il a puni Shaitan. Il a puni, pardon, Iblis. En ce moment, il n'est pas encore Shaitan. Mais regardez ce qu'il va faire. Lorsqu'il pêche, il s'enfle d'orgueil. Et lorsque Allah lui donne une punition pour son péché, qu'est-ce qu'il fait? Accorde-moi un délai, dit Satan. Malgré tout ça, Satan, ou bien Iblis, il n'est pas revenu vers Allah. Il n'a pas fait de repentir. Malgré tout ça, là, toute sa succession, là, désobéissance, orgueil, punition, mais Iblis a continué à rester dans cette même position. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se venger. Allons-y. Accorde-moi un délai, dit Satan. Il demande un délai à Allah. Jusqu'au jour oui. Où ils seront ressuscités. Et ça nous rappelle nous-mêmes, chers frères et sœurs. Lorsqu'on est dans une situation,
une situation d'épreuve. Et quand on demande à Allah de nous sortir de cette situation, à peine Allah nous sort de la situation, nous devenons quoi? Désobéissants vis-à-vis d'Allah. Lorsque tu as une situation de pauvreté, par exemple, et qu'Allah t'octroie une petite richesse, lorsque tu as une situation, n'est-ce pas, où tu recherches un diplôme ou un poste de travail, lorsqu'Allah t'octroie ce poste-là, tu utilises ça pour désobéir à Allah. Et on est dans la même position que Iblis ici. Il demande un délai à Allah pour faire quoi? Pour se venger. Au lieu de demander pardon à Allah, continue rapidement. Allah dit, c'est lui. Tu es de ceux à qui délai est accordé. Et voilà tout le problème du monde ici. Voilà tout le problème du monde. Lorsque Iblis a demandé un délai à Allah et qu'Allah lui a accordé de ce délai-là, dès lors, qu'est-ce qu'il fait? Allons-y. Puis, il m'a mis en erreur, dit Satan. Il dit que c'est Allah qui l'a mis en erreur alors qu'Allah lui a donné la faculté de désobéir et d'obéir. Allons-y. Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Non. Puis je les assiérai de devant. Devant. De derrière. Derrière. De leur droite. De leur droite. De leur gauche. De leur gauche. Et pour la plupart. Pour la plupart. Tu ne les trouveras pas reconnaissants. Voilà tous les problèmes du monde. Et on va y revenir, vous allez voir pourquoi je dis voilà tous les problèmes du monde. Allons-y. Sors de là. Oui. Dit Allah. Nam. Banni et rejeté. Allons-y. Quiconque te suit parmi eux. Oui. De vous tous. Nam. J'emplirai l'enfer. Allah, il est clair dans sa parole. Tous ceux qui vont suivre Satan, Allah dit qu'il va remplir l'enfer de ceux-là. Allons-y rapidement. Sur le cas de Adam maintenant. Oh Adam. Nam. Habite le paradis. Nam. Toi et ton épouse. Oui. Et ne mangez en vous deux, à votre guise. Rapidement, rapidement. Et n'approchez pas l'arbre que oui. Voici. Non. Sinon, vous seriez du nombre des injustes. Allons-y. Puis le diable, oui. Afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, oui. Leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Pause, chers frères et sœurs. Voilà encore une histoire ou bien un passage où nous devons, n'est-ce pas, méditer. On doit encore méditer sur ce passage-là. Parce que les savants nous disent quelque chose. Lorsque Adam a cru aux paroles de Shaitan, on nous dit que c'est parce que Shaitan a juré. Lis le passage où Shaitan a juré. Il les jura. Non. Vraiment. Je suis pour vous deux un bon conseiller. Alors lorsque tu vas au marché et que tu vas acheter une marchandise chez Bintou, combien de fois Bintou va jurer de l'authenticité de sa marchandise? Combien de fois Madou va dire que sa marchandise est originale alors qu'il est en train de mentir? C'est le Wallahi Bilahi. Que ma marchandise à son original. Ou bien voilà, il dit, c'est à ça que j'ai acheté. Si j'enlève 500 dessus, ça ne m'arrange pas, c'est ce que je dois gagner. Il n'a pas peur de jurer. Combien de fois on n'a pas peur de jurer et on ment? C'est-à-dire, nous on jure et puis on ment. Alors que les savants disent que si vous voyez que Adam, alayhi salam, il a cru en ce que Iblis a dit ici, c'est parce que Iblis a juré. Donc pour Adam là, personne ne peut jurer vis-à-vis d'Allah et puis mentir. C'est ce qui a fait que Adam est tombé dans le piège de Shaitan. Mais combien de fois nous on jure en longueur de journée? Wallahi, d'autres même appellent sans père et on ne sait pas où c'est quitté. Parce qu'on ne craint plus Allah. On ne sait pas qui est Allah. On jure vis-à-vis d'Allah. On jure par Allah. Je jure devant Allah. Et puis ce qui suit là, c'est un mensonge. Mais c'est ça qui a fait que Iblis a pu avoir Adam. Donc il faut te comparer à Iblis. Iblis ment et puis il jure. Toi aussi tu mens et puis tu jures. Est-ce que tu n'es pas un allié de Shaitan? Est-ce que tu n'es pas un frère de Satan? Parce que vous accomplissez les mêmes actions. Lui, il ment et puis il jure par Allah. Toi aussi, tu mens et puis tu jures par Allah. On est même chose avec Satan, chers frères et sœurs. Tout ce que Satan a fait, qu'il a conduit dans la position dans laquelle il est, où tous les problèmes aujourd'hui de l'humanité en main sur lui là. Quelqu'un garde, on demande c'est qui, il dit c'est le diable, c'est pas moi. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, il dit c'est le diable. Tout ce qui est mauvais, même si c'est pas lui, on met ça sur lui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a désobéi une seule fois à Allah. Il s'est enflé d'orgueil. Il a juré un matin, juste pour égarer les gens. Juste pour se venger d'une action qu'il avait lui-même commise. Allons-y sur la suite, Inch'Allah. Au verset 22. Oui. Alors il les fait tomber par tromperie. Non. Puis lorsqu'ils ont goûté de l'arbre. Lorsqu'ils ont goûté de l'arbre, rapidement. Leur nudité leur devient visible. Oui. Et ils commençaient tous ceux à y attacher des fruits du paradis. Rapidement. Et leur Seigneur les appela. Alors ici, on va marquer une pause, chers frères et sœurs. On a vu l'histoire d'Iblis. Iblis est tombé dans l'erreur. Lorsqu'Allah lui a posé la question pourquoi il est tombé dans l'erreur, vous allez voir la différence entre ce qui a conduit Iblis dans la position dans laquelle il est et ce qui a conduit notre père Adam dans la position dans laquelle il est aujourd'hui. Malgré que tous les deux sont tombés dans la désobéissance. Et ensemble, on va méditer sur notre cas. Est-ce qu'on ressemble à notre père Adam ou est-ce qu'on ressemble à Iblis qui est notre ennemi déclaré? On va voir ça, Inch'Allah. Allons-y. Ne vous ai-je pas interdit ce table? Non. Et ne vous ai-je pas dit la même chose qu'Allah il a fait avec Shaitan. Il a posé question à Shaitan, pourquoi tu as fait?
il pose la même question aussi à notre père Adam, à notre mère Hawa. Allons-y. Ne vous êtes pas interdit cette table? Oui. Ne vous êtes pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Allons-y. Tout de dit. Oui. Oh, notre Seigneur. Ah, différence avec Satan. Satan dit, puisque tu m'as induit en erreur, ou bien je suis meilleur que. En Akaïroun mine, il dit, je suis meilleur que. Ici, là, eux disent directement, oh, notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Contrairement à Iblis qui dit, tu m'as induit en erreur. Il dit, c'est Allah qui a fait, lui, il a fait l'erreur. C'est-à-dire, nous, on est dans les mauvaises choses. On continue, c'est-à-dire, constamment, on est dans les mauvaises actions. Constamment, on continue d'aller consulter les charlatans, les touraboutilas, les colongaranfililas. On continue ça. Et lorsqu'on essaie de nous interpeller, qu'est-ce qu'on dit? On dit, alors, n'est-ce pas, qui ira demain, là, qui ira demain, qui ira demain. C'est les mêmes paroles qu'on dit à chaque fois. Et on n'est pas différent de Iblis, chers frères et sœurs. Parce que Iblis, il a utilisé ce que Allah il a mis en lui, c'est-à-dire le feu qu'il a pris pour le créer, pour n'est-ce pas essayer de se prévaloir pour désobéir à Allah. Qu'est-ce que Adam lui fait contrairement à Iblis? Adam, lorsqu'il désobéit, il dit directement à Allah, j'ai fait du tort, ou nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Il dit, Allahumma Rabbana, Zolamna Anfusana. Il dit, nous, on s'est fait du tort à nous-mêmes. On a été injuste envers nos propres âmes. À chaque fois que l'être humain, le fils d'Adam, pèse, en réalité, il se fait du tort à lui-même. Parce qu'on ne saurait faire du tort à Allah. Lorsque nous refusons de faire nos solas, alors que c'est la sola qui éloigne les turpitudes et du blâmable, ce n'est pas à Allah que nous faisons du tort. Lorsque tu refuses à te prosterner vis-à-vis d'Allah, ce n'est pas à Allah que tu fais du tort. Parce qu'en réalité, il dit, Wahu Allahu la ilaha illahu lahu alhamdu fil ula wa fil akira. Allah lui-même il s'est glorifié, Allah lui-même il s'est loué bien avant que nous on le loue. Il dit c'est lui, il n'y a point d'autre divinité qui est digne d'adoration que lui. Il ajoute, il dit que c'est à lui la louange dans ce bas monde. La hamdu fil ula wa fil akira. À lui la louange dans ce bas monde, à lui la louange dans l'au-delà. La louange de l'être humain faible, la louange faible de l'être humain faible peut apporter quoi à la royauté, à la puissance d'Allah. Si ce n'est que nous-mêmes nous élever. Donc lorsqu'on prie, lorsqu'on nous interpelle à respecter, n'est-ce pas, les gens de Sola, en réalité, c'est pour nous-mêmes. Parce que Ibn Sola, Tatanha, Anil Fahashahi, Walmunka, c'est la prière qui va nous aider, la Sola, qui va nous aider à nous éloigner des turpitudes et du blâmable. C'est la Sola qui va te permettre de délaisser, n'est-ce pas, les mauvaises actions dans lesquelles tu te trouves. C'est la prière, la Sola qui va t'aider, n'est-ce pas, à corriger ton apparence physique qui est l'effort le plus minime, comme j'ai pour habitude de le dire. Le plus petit effort que le musulman peut faire, c'est corriger son apparence. Toi, toujours, ton caleçon est dehors, excusez-moi du thème. Quand tu t'assois là, on voit tout derrière là. Et c'est même pas propre en plus. Ton apparence physique là, la haura de l'homme là, on dit c'est nombril genou. Et il faut couvrir tout ton corps pour, n'est-ce pas, être bien vu en société. Et ça, c'est le plus petit des efforts. La soeur qui a pour habitude de se dénuder, prends la sourate 7, verset 27, on va voir cette partie là. Vous allez voir qui vous a déshabillé. Nous, vous, nos soeurs, qui refusez de bien vous habiller, ramblez ici là. Vous allez voir qui vous a déshabillé. Sourate 7, verset 27. Rapidement. Oh, enfant d'Adam. Allah nous interpelle. Oh, enfant d'Adam. Que le diable ne vous tente point. Non. Comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères. Qu'est-ce qu'il a fait? Leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible la nudité. On dit Iblis a arraché les vêtements. Les vêtements de nos pères et mères. Et quel est le vêtement qu'il a arraché? Parce qu'ils étaient mieux à ce que nous sachions. Mais c'est Al-Libar Tutakwa. C'est le vêtement de la piété. Parce que lorsque ce vêtement-là te recouvre intérieurement, lorsque ce vêtement-là recouvre ton âme, automatiquement ton corps aussi sera couvert. Mais lorsque ce vêtement-là recouvre ton corps, et pardon, ton âme, et que ton corps n'est pas couvert, en réalité, il faut te dire que ce n'est pas le bon vêtement que tu as porté intérieurement. Le plus petit effort, c'est l'effort vestimentaire. Ça, il ne faut même pas qu'on se blague. Lorsque quelqu'un a une mauvaise action, ça c'est dans son comportement, ça son âme a épousé cette action-là. Il lui faut beaucoup d'efforts, il faut éduquer son âme pour qu'il puisse délaisser cette mauvaise action. Mais l'effort vestimentaire, l'effort de l'apparence physique, surtout nos mamans. Parce que si aujourd'hui il y a la fitna qui est répandue, ce n'est pas une accusation, mais c'est surtout à cause des femmes. Parce qu'on a pour habitude de le dire, si les femmes sont bonnes, Dounia en sera bon. Pourquoi? Pour deux éléments. Parce que la fitna vient des femmes. Lorsque la femme passe, salut toi ma soeur qui porte ton collant, qui porte un petit, aujourd'hui les soeurs s'habillent de sorte à ce que leur nombril puisse apparaître. C'est-à-dire qu'on porte habit, on soulève pour qu'on puisse voir le nombril. Lorsqu'on porte habit, on fout derrière là.
Subhanallah. On fout derrière. Pour qu'on puisse voir notre postérieur. Et ça, remarquez au remblai ici. C'est ce qui est là. Lorsque nos soeurs savent porter un long t-shirt, c'est bon. Mais elle va prendre le t-shirt, elle va fourrer. Parce qu'on ne voit pas. Il faut qu'on voit. Bon, quand tu passes dans le quartier, tous les jeunes, même s'ils ont fait garde de pas, sont fatigués. Et que ses yeux sont tombés dessus, ça provoque en lui des choses. Si la piété, si la foi n'est pas suffisante dans son cœur, celui-là, il peut tomber facilement dans le péché. Or, si tu passes que tu es couverte, même le blanc-coro qui a pour habitude d'appeler les femmes au carrefour, il te voit couverte, il a peur. Il dit ça, là, c'est ninja. Il ne peut pas appeler piou-piou. C'est chiant, on appelle comme ça. Il faut te couvrir pour attirer sur toi le respect. Mais aujourd'hui, il y a une deuxième vague. Elle porte le voile, mais il n'y a pas le respect dans le voile. Et ça, c'est des voiles, comme le dirait l'autre, des voiles qui ont besoin de voiles. Parce qu'elle, pour elle, le voile se limite simplement à la tête. Elle a recouvert ses cheveux. En bas, elle a porté un body plaqué. J'ai vu ça l'autre jour à la gare. Là. Surat 33, le verset 59. Avant d'arriver, avant de lire le verset, ça fait rire quoi. Ça dit qu'elle a porté le voile, mais elle a couvert juste la tête, un peu ici. Et en bas, elle a porté un complet. Un body plaqué, et puis un jean bien plaqué encore plus. Mais avant la voile, hein, ça veut dire que si tu la vois assise dans la voiture, tu as dit, ah, voilà une soeur qui a porté le voile, c'est la félicité. Mais si elle sort de la voiture que tu la vois, mais tu as dit, mais attends. La soeur qui n'a pas porté le voile, mais qui a porté une tenue ample, encore mieux que toi. Parce que le voile est un objectif. Lecture. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles, non, leur grand voile. On dit leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues. D'abord, le voile sert à reconnaître la femme musulmane. Lorsque tu vois une femme musulmane, au travers de son voile, tu sais automatiquement que c'est une musulmane. C'est vrai, il y en a ceux qui mettent le voile dans leur sac, et puis arrivent au travail. Elles enlèvent, ou bien aux heures de prière, elles enlèvent leur voile et portent. Ça, c'est pas totalement à rejeter. Si c'est un cheminement, comme j'ai pour habitude de le dire, c'est prenable. Si c'est un cheminement, pour pouvoir porter le voile normalement, on dit que ça a encouragé. Mais qu'elle fasse vite, il ne faut pas avoir mouru dans ça. Mais si elle pense que c'est la finalité, n'est-ce pas, le fait de porter le voile, ou bien de mettre le voile dans le sac, et puis arriver au temps, ou bien aux heures de solat, les porter, nous disons que nous, elles ne sont pas dans la bonne voie. Si c'est un cheminement, c'est pas mal, mais qu'elle le fasse vite. Mais si c'est une finalité, c'est pas bon. Parce que cette soeur qui a porté son jean plaqué, qui a mis son voile dans son sac, en dehors de l'heure de la soirée, tu ne peux pas savoir que c'est une musulmane. Donc l'objectif du voile n'est pas atteint sur elle. L'objectif, elles en seront plus vite reconnues. Donc on doit te reconnaître au travers de ton apparence. Wow. C'est pourquoi je dis, l'effort vestimentaire est le plus petit, est l'effort le plus facile. On dit arrête de faire la coiffure bizarre parce que tu es mal vu en société. Tu dis non, Allah n'a pas dit ça. Alors qu'en réalité, ce qui est dans ta société, qui est attrait à la vertu, ça devient pour toi une sunna. Si dans la société, les gens qui font les coiffures bizarres sont mal vus, ceux qui laissent les cheveux, qui mettent 2 traits, 3 traits partout, s'ils sont mal vus, tu as pour devoir en tant que musulman de ne pas faire ces coiffures-là. Allah, si ceux qui mettent un tuyau sont mal vus dans ta société, toi tu ne dois pas t'assimiler à ceux-là. Allah. Celui qui imite les gens, il fait partie de ces gens-là. Allah. J'ai vu une vidéo où j'ai parlé des teintures, j'ai vu des détracteurs venir par eux-là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer. Que non, la teinture n'est pas interdite. Bon, je n'ai pas voulu répondre parce que je pense que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Non. Si dans ta société, mettre teinture est assimilable aux mauvaises personnes, ça devient interdit pour toi. C'est-à-dire que si c'est les brigands seulement qui mettent teinture jaune sur la tête, non. Toi, musulman, tu ne dois pas le faire. C'est clair. Et ça, il faut s'approfondir dans la région pour pouvoir le savoir. Pas aujourd'hui les savants d'internet qui critiquent tout et n'importe quoi. Non. C'est pourquoi je l'ai dit dans la vidéo. Et encore, quelqu'un pose la question, mais si quelqu'un meurt et qu'il s'éteint sous là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ils vont appeler ses amis sous là pour prier sur lui. Là encore, les savants du net se sont affolés. Allah Akbar. Mais quand j'ai dit ses amis sous là, est-ce que j'ai dit les mécréants? Je n'ai nulle part dit qu'il est devenu mécréant. Exactement. Et ça, c'est une règle en islam. Allez apprendre votre religion. Et de venir critiquer n'importe comment. Non. Si tu es un soula, reconnu comme soula, tu meurs, on cherche les soula pour prier sur toi. Allah. Pourquoi ils ont demandé au prophète d'aller sur toi, ça de prier sur quelqu'un qui s'est suicidé et puis l'a refusé? Quelqu'un s'est tué. On dit au prophète, viens prier sur lui. Il dit, allez prier sur lui. Le prophète n'a pas prié sur lui. Mais est-ce qu'il est mécréant? Non. Mais c'est un type de personne là. Il y a des gens. Leur type de foi, c'est-à-dire leur type de piété, là, il y a certaines personnes qui ne doivent pas se mettre devant pour prier sur eux. Non. Et c'est ça, c'est une règle en islam. Mais si tu n'approfondis pas la connaissance,
Si tu te limites, hein, tu ne peux pas connaître ça. Et tu vas te permettre de critiquer tout et n'importe quoi sur Internet. Effectivement. Et ça, c'est que nous, on ne dit rien si on n'a pas lu auparavant. Non. Donc, on continue rapidement. Les rétardataires n'ont pas parlé aujourd'hui. Bismillah. Et éviteront d'être offensés. Et éviteront d'être offensés. Deuxième élément. Non. Le voile te permettra, toi, en tant que femme musulmane, d'être reconnue. Et le voile te permettra de ne pas être offensé. Je l'ai dit tout à l'heure, les blacks qui s'arrêtent au carrefour pour appeler femme, comme chien là, il ne peut pas voir femme voilée pour l'appeler comme ça. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez déjà vu une femme voilée qui passe et puis on appelle comme chien? C'est pas possible. Lui qui le fait, c'est que son degré de perversité est élevé. C'est lui là, on ne peut plus rien faire. On c'est un fascique. Oh, bon. On ne peut rien faire pour lui. Donc tu éviteras d'être offensé au travers du voile. Non. Les personnes aux propositions indécentes ne vont pas s'approcher de toi. En français, facile. Zinan, quel est le nom de Naïko? Si lui, son intention, c'est le zin. Non. Comme on a l'habitude d'appeler zinson. Non. Si lui, son intention, c'est de venir faire le zin pour partir, il ne va pas venir vers femme voilée. C'est clair. À moins que ce soit un facile encore. Lui, il veut faire un zin avec les femmes voilées. Donc, ça t'évite d'être offensé. Les propositions indécentes ne viendront pas vers toi. Allah Akbar. Et ça, c'est l'objectif du voile qu'aujourd'hui on a délaissé, surtout au Ramblais ici. Aujourd'hui, il y a un nouveau type de voile qu'on vend. On prend en porte, mais en réalité, ça ne couvre pas. Ça n'évite pas d'être offensé. Et on l'a vu dernièrement sur le net encore une fois. Parce qu'en notre temps, en notre époque, c'est une époque qui est très, n'est-ce pas, à train, très en face des fitnas. Non. Avec l'avènement d'Internet. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, ton enfant est celui à la maison. Et au travers d'Internet, c'est comme s'il est dehors. Non. Au travers d'Internet, il est exposé ou elle est exposée à toutes sortes de tentations, à toutes sortes de fitnas. Effectivement. Alors qu'elle se trouve dans la maison. Non. Il suffit simplement d'avoir un petit téléphone de 15 000 francs. S'il y a Internet dedans, ça lui permet d'aller sur Facebook. Et bon, je ne vais pas citer les réseaux sociaux qu'on connaît. Si ça lui permet d'aller sur ces différents réseaux, non. Avec ce qui est sorti deux jours là. Toc, toc. On sait de quoi, tout le monde sait c'est quoi. Non. Avec ce qui se passe sur ça aussi. Elle est dedans, oui, il est dedans, mais c'est comme s'il est dehors. Exactement. Parce qu'il est exposé. On va aller rapidement pour, n'est-ce pas, chuter, donner la parole au retardataire. Même si c'est 5 minutes qu'ils ont eu. Allah est pardonné et miséricordieux. Allah dit qu'il est pardonné et miséricordieux. On revient sur la sourate 7. Leur harassant, leur vêtement. Alors, on a vu la différence entre le comportement d'Iblis et le comportement de notre père Adam. Et à nous de nous identifier. Si on veut suivre Iblis ou si on veut ressembler à notre père Adam. Et dans la promesse que Iblis a pris, rapidement on va aller sur ça, le fait d'égarer les fils d'Adam, de s'asseoir sur leur chemin, par devant, par derrière, à gauche, à droite, il y a le fait d'avoir perverti le message des différents messagers qui se sont succédés, annonçant le tawhid, annonçant l'unicité d'Allah. Et dans ces annonces-là, lorsqu'on le dit, certaines personnes le prennent, n'est-ce pas, comme des attaques, alors qu'il y a une sourate qu'on appelle la sourate 19, Allah, la sourate Mariam, où Allah vient rétablir la vérité sur un messager qu'on appelle Isa alayhi salam. Cette vérité-là aujourd'hui qui est, n'est-ce pas, prise comme mensonge dans beaucoup de communautés. Lorsque vous prenez chez les juifs, ils ont menti sur Isa alayhi salam. Ils ont dit que Isa c'est un bâtard. Subhanallah. Parce qu'ils ont vu sa mère Mariam alayhi salam enceinte sans l'intervention d'un homme. Non. Ils l'ont traité de bâtard. Donc eux, non, là pour devoir de d'essuyer leurs mensonges, de nettoyer leurs mensonges. Parce que le Coran le mentionne. Le Coran dit que lorsque Marie allait vers eux, ils l'ont traité d'avoir commis des défauts, n'est-ce pas, débauchés. D'avoir commis l'adultère. Et c'est une vérité que le Coran est venu rétablir. Exactement. Donc lorsque nous on s'arrête dans les rues, et que nous nous permettons de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, on n'est pas forcément en train de critiquer quelqu'un, mais on est en train d'établir ce que notre livre nous a dit. Parce que Allah il est clair dans la sourate 5 au verset 72 au verset 73, en disant que sont mécréants, ceux qui disent Allah salut sous salas, ceux qui disent que Allah il est le troisième de toi. Non. Donc si toi tu dis que Allah est le troisième de toi, nous on ne parle pas forcément de toi. Mais nous on est en train de dire ce que notre Coran a dit. Maintenant si tu es dedans, à toi maintenant d'être comme ce qu'Allah il a dit dans la sourate Yassine, la sourate 36. Allah il dit qu'il y a deux types de personnes dans cette sourate là. Il dit وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Il y a un groupe de personnes, lorsque tu les avertis là, ça leur est égal. Lorsque tu leur dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et que c'est prouvé dans la Bible, ce n'est pas le Coran seul qui le dit. Non. La Bible même dit qu'il n'est pas Dieu. Mais toi tu l'adores comme étant Dieu. Lorsqu'on te le dit, alors il dit qu'il y a un groupe de personnes, lorsqu'ils vont entendre ça, soit ils vont fermer leurs fenêtres, soit ils vont augmenter le volume de la télé ou de la radio pour ne pas entendre la vérité. Et quand bien même ils entendaient cette vérité-là, ils vont s'enfler d'orgueil comme le diable l'a fait.
Parce qu'ils ne vont pas accepter ces deux cas-là, ils parlent. Non. On l'a un peu rapide là. Il dit, que tu les avertisses ou non, ça c'est pas leur problème. Ils ne croiront jamais. Mais il y a un type de personne aussi. Donc Allah ici dans la suite du verset. Innama tunziru man ittaba azikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Allah donne ça à l'homme. Il dit, mais tu n'avertis que celui man ittaba azikra, celui qui suit le rappel. Wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, celui qui sait qu'il y a un invisible qu'il a créé. Il sait qu'il y a une entité que lui ne peut pas voir, mais qui est au-dessus de tout, qui a créé toutes choses. Nah. Et comme tout créateur qui a donné la prescription pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir être dans ce qu'il a envoyé sur la terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a donné la voie à suivre pour pouvoir l'atteindre. Celui-là, il craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. C'est celui-là qui sera réceptif, n'est-ce pas, à ce rappel. Tu ne prendras pas cela comme une critique, comme une offense, comme une attaque. Il ne sera pas offusqué lorsqu'on lui dira au travers des Écritures que celui que tu penses adorer depuis ton enfance, à savoir Jésus-Christ, il dit dans Jean 5, verset 37, il dit Dieu, le Dieu qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi-même. Lui-même Dieu, il a rendu témoignage de moi. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Exactement. Voilà un verset qui est suffisant. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Allah, Allah. L'Éternel qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Pendant ce temps, c'est lui qui est en train de parler. Hein. Donc, si lui était Dieu, ils sont en train de voir sa face. Ils sont en train d'entendre sa voix. Mais il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Mais quand tu lis ça et puis tu continues de l'adorer. Vraiment. Quelqu'un vient lui dire dans Luc 18, verset 18, bon maître, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est dans la Bible. Bon, toi, chrétien, tu entends ça là. Et puis tu continues de dire, il est Dieu. Voilà. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est pourquoi la Sourate 5, verset 116, qu'on va me caler en attendant. Allah va lui poser la question et puis il va répondre. Comme encore dans d'autres passages où on dit, on essaie de nous faire croire, ce sur quoi tout le monde chrétien est d'accord, à savoir que Jésus-Christ est venu mourir pour sauver les péchés de quiconque. Mais soyons sérieux, chers frères et sœurs. Comment Dieu va envoyer quelqu'un ou bien va venir lui-même pour venir se faire frapper, humilier, tuer, pointer sur un bois, et de sur quoi nu. T'as dit quoi tirer sur bois, Dieu. Et puis il fait ça pour quoi? Pour pardonner les gens. Nous sommes sérieux. Tu dois à ton propriétaire, t'as dit quand tu es locataire dans le coup ici, tu dois au propriétaire. Le propriétaire dit bon, pour pouvoir payer mon crédit, je dis, je viens, tiens, il faut me frapper. Il te frappe. Il faut me déshabiller. Il te déshabille. Il faut me pointer sur bois. Tu le pointes sur bois. Il faut me tuer. Et puis crédit là, c'est fini. Ça a quoi de logique? Donc pour pouvoir pardonner aux gens, ça dit dans leur hérésie, ils prétendent que Adam a commis un péché. Alors que le Coran, on a lu tout à l'heure, Adam, lorsqu'il a commis, n'est-ce pas, cette erreur, on ne va même pas dire péché. Non. Lorsqu'il s'est trompé, il a demandé pardon, Allah lui a pardonné. Claire. Et Allah il finit de le pardonner. Alors encore, il va dire dans d'autres versets du Coran. Il dit, personne ne portera le fardeau d'autrui. C'est clair. Chaque âme portera son propre fardeau, personne ne sera lésé. Et figurez-vous que ce verset existe dans la Bible. Dans Deutéronome et dans le livre d'Ézéchiel. Exactement. On dit, les pères ne porteront pas l'iniquité des fils, ni les fils l'iniquité des pères. Non. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. C'est clair. Bon, on lit tout ça là. Mais on continue de s'enfler d'orgueil. On s'en fout. La même Bible qui a dit ça, la même Bible dit non, Jésus est venu porter toi ton iniquité. Subhanallah. Il n'y a pas de logique dedans. C'est clair. Non. C'est pourquoi lorsque nous interpellons, ne prenez pas ça avec orgueil. Ne prenez pas ça, n'est-ce pas, avec offuscation. Ce n'est pas l'objectif. Le Coran, il est clair. Si vous voyez qu'on le dit, c'est parce que le Coran nous a précédé dedans. Waman kotalouhu, waman solabouhu, walakin choubihalahum. Waina les naktalafoufihi la fichakin minhu. Ceux qui discutent à son sujet, là, ils disent qu'ils sont dans l'incertitude. Non. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Et puis, il finit de dire tout ça là. Il dit, vraiment, quand t'as l'eau, yakina. Allez, il a ajouté, chita dessus. Il dit, ils ne l'ont certainement pas tué. Non. Donc, lorsqu'on dit là, c'est le Coran qui l'a dit d'abord. Effectivement. Nous, on répète ce que le Coran a dit. Non. Et on utilise des passages du livre qui le dit pour montrer qu'en réalité, le livre le dit, mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Parce que c'est pas logique. Lorsqu'on lui demande,
ou lorsqu'il est en train de s'adresser à Dieu, on va terminer sur ce verset dans Jean 17, 3. Il dit, oh, allez au paradis, oh, la vie éternelle. C'est-à-dire, il est en train d'établir le critère pour aller au paradis. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te reconnaissent, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il a fermé le débat sur après, il est venu mourir. Il dit, allez au paradis, là. C'est de quoi? Le taoïde, l'unicité de Dieu. Effectivement. Toi, le seul véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et en le disant, il ne parle pas de l'humanité. Parce que derrière notre verset, il a dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bismillah, mon frère. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Mohazim Djabal, le soldat infatigable. Soldat tout terrain. Est-ce qu'il y a derrière des questionnaires? Il vient me blaguer. Là, il a oublié son état. D'accord, Inch'Allah. Tout à l'heure, Moaz parlait du port du voile des femmes. Comme vous soyez à. Mais en même temps, lorsqu'on dit que les femmes n'ont qu'à se couvrir, très peu de garçons aussi cherchent à avoir une femme voilée. Comme vous soyez à Iresoutra. Mais il y a. C'est quel paradoxe? Et vous vous cachez pour aller sur les sites des pervers, pour aller regarder Lolo et puis l'autre là. Vous êtes là, vous êtes abonné. Il y en a même qui changent leur nom. Il se va mettre Charlie le beau. Et puis il se cache, il s'en va regarder là-bas. Lolo a un truc là, il s'en va regarder. Alors que nous demandons aux femmes de se couvrir, de se voiler, c'est beau, c'est joli à voir. C'est vrai qu'elles le font pour Allah. Mais en même temps, nous devons les encourager, nous devons les aimer en tant que telles. Sinon, on ne les marie pas, qui va les marier? Si tu es pervers, sois pervers avec ta femme à la maison. C'est clair. Si c'est Lolo, tu veux regarder. Dis-lui de se mettre en Lolo dans la maison. Si c'est l'autre là aussi, tu veux regarder. Dis-lui de mettre ça dans la maison. Et puis tu t'assois, tu regardes. Ça n'est pas trop grand, mon bretel, qui irait à tiens pas ça? Effectivement. Sourate 87, le verset 9. Sourate 56, 51 à partir du verset 56. Souvent, il faut qu'on se dise certaines vérités. Nous, en tant que musulmans, beaucoup aujourd'hui, nous sommes devenus des hypocrites. C'est clair. Un yasra, mais il y a la bête, mais il y a un drôle, il y a un kafrié. Quand on est dehors, on est des musulmans exemplaires. Mais une fois qu'on est seul dans des endroits, ouais, c'est guinzé. Parce qu'on se dit que personne ne nous voit. Nous, nous, quand on est à Foko, non, il est islam, on est là. Donc, on fait tout et n'importe quoi. Effectivement. Oubliant que la solitude, l'isolation, le noir, on est maître. Il y a un adibikourou, il y a un adibikourou de là. Tu te crois dans le noir? Effectivement. Oh, le noir est une clarté pour Allah. Non. Tu te crois seul, alors qu'auprès de toi, il y a des témoins qui sont en train de recueillir toutes tes actions. Qui sont en train de noter tout ce que tu fais. Subhanallah. Surat 87, verset 9. Bismillah. Surat 87, le verset 9. Rappelle donc où le rappel doit être utile. Quand il y a un rappel, il y a un rappel. Donc Allah, il a voulu que ce soit le rappel soit profitable ici. Et nous tous qui sommes sur l'esplanade, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est quelque part parce que Allah il a un plan et de l'amour pour nous. Nous sommes tous des pécheurs. Il veut nous ramener à lui. Mais comment un homme peut revenir vers Allah s'il ne se rappelle pas de son Seigneur? Sourate 51 à partir du verset 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Continue. Je ne cherche pas d'eux une subsistance. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Faites le rappel parce que le rappel profite aux croyants. Niki Amabrita, s'il y a une panne dans la voiture, tu ne vas pas aller quand même à la CIE. Tu vas aller voir un mécanicien. Si tu es en panne d'essence, tu n'iras pas au palais, tu iras à une station. Effectivement. Donc lorsque le croyant musulman est en quête de foi, ni effet qu'il y a ni mélia sarati, tu veux revivifier ta foi, il faut bien évidemment t'orienter de là où on parle, où on se rappelle le nom d'Allah. Il faut aller dans les endroits où on parle d'Allah, où on parle de l'importance de l'être humain. C'est clair. Parce qu'il y a un atami. On se gonfle. On se croit
impérissable, disons. Pourtant, Allah il a dit, nous ne sommes qu'une goutte, goutte de sperme. Il y a cela. Pourtant, Manu dit, fitini, réalbo. Voilà ce que tu es. Il suffit d'un clic, ma doigt, c'est fini pour toi. Et tu t'enfles d'orgueil, tu es gonflé, tu ne veux rien comprendre. Quand tu sors au goudron, on doit savoir que tu es sorti. Quand tu marches, mais il faut pousser un ouïe, quoi faire. Pourtant, les serviteurs d'Allah sont humbles. Ils marchent humblement sur la terre. Effectivement. Et lorsque des ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. Il faut que Allah m'a dit non. Les temps sont nuageux. Voilà. Il y a un allez là, le temps n'est pas bon. Si tu n'as pas de repère spirituel, tu es un homme foutu. Effectivement. Si tu refuses de travailler avec Hakiri, ni qui banque à Baraka ni Hakiri, ton Hakiri va te harakiri. Surat 18, le verset 28. Fais preuve de patience. Ton Hakiri, là, si tu ne l'utilises pas, parce qu'Allah, il a dit, il s'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. Effectivement. Et le musulman est l'être humain qui a atteint la plénitude de l'humanité. Alors, Akbar. Sirama Adamaden Dafanile. Adamaden Dafani, c'est une maka. Parce qu'il est Al-Furqan. Alors. Le discernement. Akbar. La plénitude de l'être humain, c'est la capacité de discerner. Effectivement. Non, Kabouika, c'est fini. Il est ni Bara ni Bakorani, vous êtes la même chose. Hey. Quand tu regardes le fou, qui a perdu la capacité, la qualité importante que l'homme a, entre le fou et le chien, où est la différence? Ah, il va dire la couronner. En tout cas. Et puis, ils ne sont même pas conscients qu'ils sont nus. Effectivement. Ni Kaouri et Kourisida, là, mais il s'en fout. Tu vois, le fou, il n'est pas habillé. Il s'en fout. Parce qu'il a perdu la faculté qui va lui permettre de prendre conscience de sa nudité. Effectivement. Donc le musulman, c'est l'être qui a atteint la plénitude de l'humanité. Alors, toi, tu as atteint cette dimension humaine. Tu tombes dans l'obstination, l'orgueil, la prétention. Le « je suis » c'est qui je suis. Subhanallah. Tu atteins même la dimension même d'être divinisé. À cause de quoi? On a vu qui allait avec ses biens. Il y a un pour ceux pour qui tu le fais, on a l'habitude de le dire, quelle que soit la dimension de l'amour, le mari n'a jamais dit à sa femme, bébé, comme je t'aime trop, aujourd'hui, laisse-moi, je vais dormir à ta place. Non. Quand cet instant arrive, il y a un bord de la nuit, il y a un manuel. C'est comme ça, on ne se connaît même pas. Tu as Dadra qui est en train de le renfler. Il ne sait même pas que tu es à côté. Surat 39, verset 53. Voici les réalités, des petites images de la vie qui doivent nous amener à prendre conscience de la réalité, de la vérité. Bismillah. Dis, oh mes serviteurs, qui avez commis beaucoup d'excès à votre propre déprimant, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc il y a des petits éléments. C'est pourquoi Allah il a dit, je vous montrerai des signes dans les cieux, sur la terre et en vous-même. Mais ces signes-là doivent faire quoi? Nous rappeler notre Seigneur, nous rappeler notre finalité, nous rappeler le retour. Ça veut dire où on va partir. Et le musulman doit être méditant. C'est la matière. L'islam, ce n'est pas pour les ignorants. Un musulman est un homme intelligent. Nous, on a l'habitude de le dire, et ça fait mal à certains. Mais moi, béni islam, je suis très intelligent. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Je suis un quadruple doué d'intelligence. Écoutez. Parce que je suis musulman. Alors, Akbar. 339. Il dit, je m'adresse aux doués d'intelligence. Maintenant, toi, tu as reconnu que Allah est Seigneur. Tu as reconnu que Mohammed est son messager. Tu ne fais pas de différence entre les messagers. Mais tu es intelligent. Alors, comment tu peux avoir un comportement de quelqu'un qui est bête-bête? Ah. Ne vous laissez pas battre. Tu expliques ça comment? Non. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Alors que vous êtes les supérieurs. Alors que vous êtes les supérieurs. Si vous êtes des vrais croyants. Regardez où Allah nous a mis. Que nous sommes les supérieurs. Ah non, 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 non. Alors nous, on va être inférieurs.
plus bas même que l'inférieur. On se retrouve où? Dans les fumoirs. On se retrouve où? Dans les ghettos de Kumasi. On se retrouve où? Dans les bars, dans les maquis. On se retrouve où? En train de faire réunion pour aller agresser. Alors on dit tu es supérieur. Toi tu tombes dans la bassesse. Au Kadhafi. Avec Tami et puis il est bloqué. Il est bloqué. C'est comme si frère même est coupé. Un frère est coupé. On dit tu es supérieur. Allah dit vous êtes. Les supérieurs. Une personne qui a dit là il a haïl Allah, Mohammed est Rasoullah. On dit tu es supérieur. Tu dis non Allah. Moi il me bloquait un peu. Et il me bloquait un peu. Travaille avec le Hakiri. Ni ma baraka ni Hakiri. Il Hakiri bini Harakiri. Effectivement. C'est pourquoi on demande. Pourquoi Hakiri si Hakiri le Adama de Baye. Je répète encore. Nous avons la plénitude de l'humanité. Allahu Akbar. Pendant qu'on invite les autres à croire spirituellement, c'est un mystère. Allah il te dit, toi, utilise Al-Furqan. Allahu Akbar. Parce que le mystère dont on parle, c'est un peu emballer les gens, bloquer leur intelligence et puis faire d'eux ce qu'on veut. Effectivement. C'est ça le mystère. L'islam est une religion facile, simple et simplifiée. Cinq prières quotidiennes. Non. Cinq prières quotidiennes. Cinq fois tu dois te rappeler de ton Seigneur. Voilà un peu l'un des sens même de la prière. Se détacher du monde et se retourner vers son Créateur. 24. Un jour viendra où je vais me détacher de mon travail, me détacher de mes amis, me détacher de ma famille et je serai face à toi, Seigneur. Allahu Akbar. Il est là, Abonabe. Et bravo, Fola. N'est-ce qu'il y a tribo là, Ori. Bayale Keneki Neta. Tiens, Bayadoula. Grigri là, ça monte jusqu'ici. Subhanallah. Ika Ibroye. On dirait, c'est devenu, on dirait, usine de forgeron. Bagla est rempli comme ça. C'est sale en bas comme ça. Non, brafa, quoi. Koso, bagi, quoi. Aho, dom, waya, teke, loka, dom. Baya. Subhanallah. Hey, si tu as mis fer, tu as mis anti-bal, Moulfa qui l'a ramené, il a travaillé. Si tu as attaché Baya de force, c'est où on se bat, il va t'envoyer. C'est clair. Il faut qu'il vive. C'est des entités, c'est des djinns que tu as collectés. Lui, il a besoin d'éléments. Quiconque veut la puissance. Non. Quiconque veut la puissance. Quiconque veut la puissance. Il la recherche auprès d'Allah. Il faut la rechercher auprès d'Allah. Car non. La puissance tout entière est à Allah. Ni c'est tout dîner. Regardez l'histoire de Souleyman alayhi salam. Les djinns n'ont aucune possibilité sur l'être humain. Faut n'en gagner la blague là. C'est clair. Sourate 22, verset 11. Allah, il a montré. L'exemple de Souleyman, il a démontré clairement. Si les djinns connaissaient l'inconnaissable, ils auraient su que Souleyman était mort depuis. Allah, Akbar. Mais aujourd'hui, nous les hommes, on a perdu cette supériorité là. Ambra kefim bet joy. Dei brani lokono. Qu'on retourne au culte de nos ancêtres. Subhanallah. Je dis, mais Ambema et Taraboroma. Donc, Ambema et Taraboro, toi, beau. Toi, oui, Nani, Tchela, Ambema et Tchèka, Yadjo et Tchèka, Ibla, Bato, le Kawanaï. Et quand on leur dit. Et quand on leur dit. Quand on leur dit. Suivez ce qu'Allah a fait descendre. Suivez ce qu'Allah il a fait descendre. Ils disent. Ils disent. Non. Non. Mais nous suivrons la coutume de nos ancêtres. Amen à toi, Ambema et Taraboro. Quand Taraboro, tout du maïe. Quoi, tout dit le sona. Aïe, tout dit le sona. Quoi? Subhanallah. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné. Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Quand tout dit cela. On nous a donc cassé la souris de l'école, non? Les blancs nous ont esclavagisés. Toi, vous, n'avez pas de la joie. Subhanallah. Aïe, tu es joie, clamé. Il y a boli tout, mini. Ce qui tu adorais là était où? Où ça se trouvait? J'ai l'habitude de raconter l'histoire de mon arrière-grand-père. Je le dis parce que quand tu connais au moins une réalité, tu n'en parles pas les éléments. Effectivement. Mon arrière-grand-père n'était pas camarade de quelqu'un. Ah! Non, il n'était pas camarade de quelqu'un. Je ne vais pas dire. En tout cas, c'était pas. C'est du côté de ma mère. C'était pas camarade de quelqu'un. Ma mère me raconte l'histoire du père de sa mère. Au nom qu'il est fâché. Ça, il est fâché.
Il faut éventrer une femme enceinte pour qu'il se calme. Subhanallah. Quand il va à la guerre, il a une lance, une seule lance. Il lance et puis ça va faire le travail et puis ça revient. Non. C'est maintenant même son premier fils a vendu. Il a vendu au blanc tout le moment. Ils sont venus tout là-bas avec. Parce que tout était dans une maison fermée. Mais qu'est-ce que ça a apporté au village? La question est posée. Fouille! Qu'est-ce que ça a apporté au village de mon arrière-grand-père? Rien! Voici la réalité. Nous, on donne une batte pour nous. Mais je me souviens, quand on était enfant à Diokwe, on dit non, les sorciers là, ils ont avion, ils montent dedans, ils savent. Ouais, ils se mettent dans l'eau, oui. Sur le blanc, lui, il fabrique avion, puis les sorciers montent dedans, ils voyagent. Il est à quel endroit là. Parce qu'il y a encore une fatale. Ni tiens, ni tiens. Une fatale. C'est clair. Il y a quel endroit là, à tes mots aussi, n'a pas. Quand vous regardez l'islam, Allah vous ramène à quoi? À ce que nous sommes en réalité, notre supériorité, notre place, notre positionnement. Non. Voilà, haoula, voilà, houata, il a mis Fante, il a la tête. Il est mis ce coquin, mais il est mis la non. Il est mis ce coquin, mais il est mis la il est bourman, mima. Allah le nom d'Anna. C'est ça, il a dit, wa ma kalatul jinna wal insa ilahia. Dinao, al bedani al kokrem le kama ko ka ne bato. Non. Bon, il est pour mala au ma. Ko le benana fan di le ma. Mais il est le seul OK. Pourquoi ils ont demandé à ce qu'on mette un voile? Djinn, c'est qui un voilé? Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'autorité à l'égard de l'homme. Sourate 72 verset 6. Bismillah. Oh. Non. Il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Non. Mais cela ne fit accroître leur détresse. Revenons à la véritable religion qui est l'islam. Alors, quoi? À toi, ben, qu'on en frile. Non. Quand il y a un bateau, le vieux même, il était sur la terre. Car à Bozra, c'était un problème. À peine même s'il arrivait même à gérer le quotidien. Vraiment. Lui, il est décédé comme nos ancêtres méritants. Il est où là au Cameroun, comme le vieux. Vraiment, il faut m'aider à devenir riche. Ni ennemi, t'es du Mali. Vraiment. Si le vieux peut te répondre, ce qu'il va dire là, c'est pas bon. Il va te dire, t'es fou de moi. Maman, il est venu même pour m'aider, mais c'était un problème. Tu viens baisser le moyen de te rendre riche. Il n'a aucune possibilité. C'est clair. Mais Dina, il est trop là, Hakri là. Allah. Il est venu au Bematia et Bola, il est venu là. J'ai vu mon grand-père, tu es Dina. Je vais terminer par cet exemple avec le vieux pacificateur qui était un doyen chrétien avec qui on a eu un débat. Non. Le vieux nous dit que lui, avant de venir être humain, il était un indien. Allez, allez, tout indien lié. Maintenant, ça n'est pas il est sorti ivoirien. Moi, il est à Koumoulé. Donc, il nous dit que parce que lui croit à la réincarnation. Donc, le vieux Platon l'échangeait. À quoi le toi à cinéma? Abadé Mamousso dans la foule à Sénéma. Aïna Baroukela et puis ils ont échangé, ils se sont laissés. Lui en rentrant au village, Abenani Moya et voilà Kabrousso là. À quoi du mal est-il? Quand non, Moussoumi Yanzel qui est décédé. Ah bon? Comment ça? Moi je viens d'échanger avec elle tout à l'heure. Allez, Nere le Brava Baroula, si ça. Aïe, Mamou Malan. Comment elle est décédée sérieux? Aïe, voilà. Konokofona a souillé. Ils ont ouvert le cercueil. Il regarde le corps de la dame, même habit la femme avait porté, puis ils se sont vus au champ. Là. C'est même habit qu'elle a porté dans ce cœur-là, au braquet Kabalangoué. Allez, bravo, Befola. Le bravo, Fayine Sango, Srama, Hakri. Ça dit, nous sommes des intelligents. Allahi. Maintenant, moi, je demande au vieux, mon vieux. Donc, habit elle a porté dans ce cœur-là, c'est même habit là, vous êtes croisés au champ. Il dit, ouais. Et donc, quand on ressuscite là-haut, les habits là aussi, ça ressuscite. Ah. Donc, Adamade, où là? Allez, quand tu ressuscites avec habit. Question. Tu es né nu, tu retournes nu. Effectivement. Mais c'est des djinns qui vont prendre l'image de la femme pour aller vers lui, non. Pour l'amener à penser qu'après la mort, il n'y a rien. Effectivement. C'est tout. C'est clair. Il veut perturber ta croyance. Non. Parce que si tu ne crois pas à la résurrection, quelqu'un qui s'en fout de la mort, regardez comment il vit. C'est clair.
Mais une personne qui est consciente, mm-hmm. que du jour au lendemain elle peut partir, mm-hmm. lui il a une autre manière de voir la vie. Effectivement. Donc, le diable essaie de t'amener à te dire, il n'y a rien après la mort, ça. Voilà ça. Tu ne l'as pas vu, elle est là. Pourtant, elle a dit, croyant la résurrection. Et il jure par le ciel, il jure par le soleil. De la même manière, on voit le ciel, de la même manière, on voit la lune et les étoiles. Il dit, je vais vous ressusciter. Je vais vous ressusciter. Vous pensez que c'est facile comme ça, tu viens, toi, tu trouves quelqu'un, tu le tues, et puis il n'y a rien. C'est fini. Faut y aller au coffre. Non, c'est trop facile. Nous allons rendre compte de nos actions. Alors, la banque, madame. Amen. Alors, nous avons fait un bras dominant, nous avons fait un bras. Parce que là, vous m'entendez. Ah, il faut aller au cadeau. C'est clair. Alors, la banque, madame. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allons-y. Bismillah, modérateur. Non, salam alaikum. Wa alaikum salam. Il y a la question anonyme d'un frère qui pose la question. Il demande, est-ce qu'on a vécu ailleurs avant d'être sur la terre? Est-ce qu'on a vécu ailleurs avant d'être sur la terre? Allahu Akbar. Sa question n'est pas tout à fait bête, hein. Bon, subhanallah, c'est même pas bête. C'est une question très, très, très intelligente. Et le Coran nous avait précédé dans la réponse. On va entendre ça ce soir, là, Inch'Allah. Parce que souvent on lit, mais on ne fait pas attention. Sourate Al-A'raf, la sourate qu'on lisait tout à l'heure, là, c'est déjà là-bas. Verset 172. C'est pas venu répéter encore, là, et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Attends, qui se souvient déjà ici? Allah dit nous a demandé. Ne suis-je pas votre Seigneur? Qui se souvient? Ça veut dire qu'on était quelque part avant de venir ici. Allons-y. Il répondit, merci. Mais la différence c'est que le quelque part là, c'est pas ce que les hérétiques disent. À savoir, lui, il était en Inde avant de venir en Côte d'Ivoire ici. Où il y a un même qui dit que lui, il était pauvre quand il est mort. Parce que dans la doctrine de la réincarnation, quand tu fais les bonnes choses, que tu meurs, tu sors quelque part. Quand tu fais les mauvaises choses, tu deviens pauvre ou bien mouton ou bien cabri. Donc lui, sûrement, il était pauvre quelque part. Quand il est mort, il est devenu homme maintenant. Donc là, il a une autre chance pour faire le bien. Bon, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, tant que tu as ce genre de croyance, tu ne vas jamais œuvrer dans le bien. Parce que toi, pour toi, là, quand tu meurs, tu y reviens encore. Mais tu vois, il n'y a pas de jugement. Quand il n'y a pas de jugement, c'est, tu vas, n'est-ce pas, contrôler tes actions. Tu ne vas jamais amender tes actions. Tu vas vivre comme tu veux en liberté. Alors qu'Allah nous dit ça, là. Et ça, ça condamne tout le genre humain. Une fois que tu es descendant d'Adam, tu es condamné par ce verset-là. Allah nous dit qui nous a demandé à nous tous, pour ne pas connaître d'argument, de ne pas avoir travaillé avec le tawhid, il dit, nous a posé la question. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ne suis-je pas votre Seigneur? Allons-y. Et puis on a dit quoi là-bas? Mais si, nous en témoignons. On a dit oui, hein. Donc quand tu viens sur la terre, puis tu vas adorer Jésus. Quand tu viens sur la terre, tu vas adorer Boua dans ta maison. Toi, ton Dieu, tu dis, c'est le Dieu de tes ancêtres. C'est Boua, tu prends, tu adores. Ou bien tu adores, n'est-ce pas, ton créateur marginalement. Lorsque ça t'arrange, tu es devant lui. Lorsque ça ne t'arrange pas, tu es ailleurs. Allah, il dit qu'il t'a fait témoigner ce jour-là. Tu as dit oui, Allah est ton Seigneur. Continue. Afin que vous ne disiez point non. Au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Donc, personne ne pourra dire ce jour-là qu'il n'a pas reconnu Allah comme Seigneur. Parce qu'il nous a fait témoigner contre nous-mêmes ce jour-là. Donc, voilà la réponse du frère. Mais ça n'a rien à voir, comme je l'ai dit, pour les hérétiques. Non. On n'était pas pauvres que quelque part. On était chez Allah là-bas. Il nous a posé la question, nous a fait venir sur la terre. Juste pour ajouter quelques éléments, c'est que, comme le Coran l'a dit, Mouaz a demandé qui se rappelle de cette partie de notre existence. C'est comme si on pouvait demander qui se rappelle encore du goût du lait maternel. Qui peut nous décrire le goût du lait maternel? Il n'y a pas d'air. T'as dit quoi d'oeil?
C'est déjà fait. Mais Allah, il a fait de sorte qu'on l'oublie. Qui peut se rappeler comment il était dans le ventre de sa mère? À tout le monde, donne les autres au Iran. En tout cas. Pourtant, il vivait. Hein? Il y a des bébés même qui sont en ventre. La nuit, les mamans danseuses là. Quand l'enfant est d'avance là, même si c'est Pangmo, il danse Pangmo là-bas. Il est en dormi qu'il fait ça là-bas. Donc c'est une vie. Mais qui se rappelle de ce qui s'est passé là-bas? Effectivement. Maintenant, avant ça, nous étions des spermatozoïdes. Mmh. C'est des êtres vivants. Oui. Ou bien? C'est des organismes vivants. Mais qui se rappelle de ses frères sans spermatozoïdes qu'il a laissé là-bas? Hein? Donc, on avance. Hein? Le frère Saint qui l'a fait la course. Oui, la course. Et puis la gagne. Vous avez lutté ensemble jusqu'à te la laisser, tu es venu. Qui se rappelle de ses frères sans? Pourtant, vous viviez tous ensemble dans le même monde. Les compagnons de lutte. Hein? Donc, l'être humain a été créé oubliant. Non. Oubliant. Il y a des réalités auxquelles tu ne peux plus te rappeler. Mais des réalités que tu as vécues. À la fin, bon, madame. L'exemple est clair. Amen. Il y a une autre question anonyme. Le frère demande une personne qui croit en Allah, qui fait le monde, mais il ne prie pas. Qui se réfère à la sourate 3, verset 199. Il se réfère à la sourate 3, verset 199. Une personne qui croit en Allah. Est-ce que dans ce verset-là, Allah parle de qui là-bas? Ils vont lire plus en grec. Ahlul, c'est pas les Ahlul Kitab. 3, il y a 7. C'est ce verset-là. Il dit, « Il y a 7. 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 Unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. » Donc lui, il dit, « Ceux-là, ils ne font pas bon, ils ne priaient pas. » C'est qu'il a mal compris. Lis en français, on comprend. Il y a 7. Hein? Parmi les gens du livre. Parmi les gens du livre. Ceux qui croient en Allah. Qui croient en Allah. Et en ceux qu'on a fait descendre vers vous. Et puis qui? Et en ceux qu'on a fait descendre vers vous. Vers eux aussi. Allons-y. Et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah. Continue. Et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Continue. Voilà ceux dont la récompense est auprès d'Allah. De leur Seigneur. Mmh. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Maintenant, prends sourate 2, verset 41. Sourate 2, verset 41. Tu maintiens ce verset-là. Comme vous êtes deux, regardez les deux. Sourate 2, le verset 41. Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà là. Non. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Alors, rapidement, continue. Et ne changez pas mes versets. Mmh. Contre un vil prix. Continue. Et c'est moi que vous devez craindre. Non, continue. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Continue. Ne cachez pas sciemment la vérité. Continue. Et accomplissez la sola. Non. Acquittez la zakata. Non. Et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Continue. Commanderez-vous aux gens de faire le bien. Continue. Et vous oubliez vous-même. Rapidement. De faire alors que vous récitez le livre. Non. Êtes-vous donc dépourvu de raison. Non. Et cherchez secours. Non. Dans l'endurance. Non. Et la sola. Continue, car. Certes. Non. La sola est une lourde obligation. Sauf. Pour les humbles. Maintenant, reprends 3, 4, 19. Il y a 7. Parmi les gens du livre. Non. Ceux qui croient en Allah. Non. En ce qu'on a fait descendre vers vous. Rapidement. Et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Oui. Ils sont humbles envers Allah. Stop. Et lis. Sauf. Ceux qui sont humbles. Sauf. Sauf pour les humbles. Toi aussi, lis. Ils sont humbles envers Allah. Sauf pour les humbles. Ils sont humbles envers Allah. Le Coran, c'est pour les doués d'intelligence, quoi. D'un côté, Allah, il parle là-bas. Wa innaha la kabiratun illa 'alal khashi'in. Il dit la prière est lourde sauf pour les humbles. Ça dit les humbles, la prière n'est pas lourde pour eux. Mais là, parce qu'il parle de ceux-là, il dit ils sont humbles envers Allah. Toi, tu as demandé s'ils font cela. Ou bien, je ne sais pas si on m'a compris. Relisez les deux. Votre lecture était un peu moins. Peut-être que les gens n'ont pas compris. Ils sont humbles envers Allah. Allah parle d'eux en disant qu'ils sont humbles envers Allah. Et cherchez la solat. Allons-y, viens chercher. Et cherchez secours dans l'endurance. Oui. Et la solat. Car. Certes. Non. La solat est une lourde obligation. Sauf. Pour les humbles. Alors qu'ils sont humbles. Est-ce qu'ils accomplissaient la solat ou pas? Tu n'as pas besoin de voir écrit qu'ils faisaient la solat. Alors qu'Allah te dit que la solat est lourde sauf pour les humbles. Et Allah te dit que ceux-là, ils sont humbles. Tu dois comprendre qu'il faisait la solat. C'est clair.
Maintenant, la question maintenant du frère, c'est quoi? La préoccupation du frère. Est-ce qu'il faisait la sola? Peut-être qu'il a pris ça comme référence pour dire, tu peux faire tout ça, peut-être. La non, pas et puis d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai dit le début du verset est clair. Allah dit, inna min ahlil kitab. Est-ce que toi, tu es ahlil kitab? Non. Allah parle des de communautés qui nous ont précédés. C'est eux là, il appelle les gens du livre. Il dit parmi eux, il y a ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et qui ont fait encore des bonnes actions. Ils sont humbles. Alors que la solat, c'est pour les humbles. Donc, il ne faut pas venir demander s'ils faisaient la solat parce que Allah n'a pas précisé ils sont humbles à cadeau. Le mot ils sont humbles là, Allah n'a pas dit ça cadeau. Le Coran, comme on le dit, c'est pour les doués d'intelligence et pour ceux qui raisonnent. Lorsqu'il dit ailleurs que la solat est lourde seule pour les humbles, et puis il finit, il dit ceux qui sont humbles, il faut comprendre que la solat là, ils font. Donc c'est clair. Maintenant, en dehors de ça, tu ne peux pas aller au paradis, tu ne peux pas la sola. Si on s'est laissé tromper par des paroles qu'on a entendues, à savoir, si on a mal interprété et qu'on a cru que ça veut dire que si tu ne pries pas, tu vas au paradis, moi je ne sais pas. L'intention de celui qui disait là, je ne sais pas c'est quoi, ce n'est pas mon problème. Non. Mais si toi tu as mal interprété pour dire que si tu ne pries pas, tu peux aller au paradis, tu as menti. Non. Tu pries pas, tu n'es pas musulman. C'est clair. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Tu refuses sciemment d'accomplir la sola. Tu refuses le caractère obligatoire de la sola. Tu n'es pas musulman. C'est clair. Même si ta basket, tu viens t'habiller un joli boubou pour manger à nous. Il t'est slamé. Non. Ça, il faut même pas qu'on se blague. Tu pries pas, tu n'es pas musulman. Donc, ça, vraiment, gardons ça dans nos mémoires. Non. Allons-y. Inch'Allah. La question suivante. Le gars demande, est-ce que la récitation de la Fatiha est obligatoire derrière l'imam? Puisque l'imam même récite la Fatiha. Il se réfère qu'il y a un hadith du prophète qui dit, on ne peut pas prier sans faire la Fatiha. Oui, mais ici, là, la prière, tu entends, il l'accomplit derrière l'imam. L'imam est ton guide. Mais il est demandé dans la sunna que celui qui est derrière l'imam, il y a certains savants ont dit, lorsque l'imam finit de réciter sa fatia, l'espace, le petit temps qu'il laisse entre la fatia et la sola, tu peux réciter ta fatia dans cet espace-là. Mais à voix basse, c'est pour toi seul. Mais déjà, une fois que tu pries derrière l'imam, c'est l'imam qui dirige pour faire l'effort de réciter. Certains savants ont dit, dans les 4 rakas ou dans les 2 ou 3 rakas, il faut faire l'effort de réciter au moins une fois, même si tu pries derrière l'imam. Au moins une fois, pour que ta sola soit valide aussi. Ça, les savants ont dit beaucoup de choses là-dessus. Le peu qu'on connaisse, c'est ce qu'on a dit. Ah. Inch'Allah, pour la dernière question, le gars demande pour quelqu'un qui s'est déjà figé, mis dans la tête qu'il a tellement gâté, qu'il a commis tellement d'erreurs, il ne pense pas que pour lui, ça peut. C'est, Dieu peut le pardonner encore. Voilà, donc, ça, là, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Tellement qu'il croit qu'il a gâté, il n'arrive plus à faire quelque chose. Le Coran l'a déjà précédé dans la réponse. Sourate 39, dit, verset 53. Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Et la hikma qui se trouve dans ce verset, les savants nous enseignent. Et Allah dit, Koul ya ibadi. Allezina asrafu ala anfusihim. Il dit, oh mes serviteurs. Et les savants disent que Allah, pour couvrir son serviteur, parce qu'Allah, il aurait pu dire, oh toi le tueur, oh toi le braqueur, oh toi le voleur, oh toi l'adultérin, oh toi le fornicateur, oh toi, n'est-ce pas, le charlatan, etc., etc. Allah, il pourrait citer le nom du péché. Mais en citant le nom du péché, ça peut t'accabler. C'est comme si tu vois quelqu'un dans la rue, tu sais que lui, sa faiblesse, il commet tel péché, et puis tu l'interpelles avec ça, hé, voleur là. Automatiquement, tu as jeté l'opprobre sur lui, il aura honte. Ouais. Il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. En réalité, nous savons tous les bonnes actions, nous savons tous les mauvaises actions. En nous, là, il y a les choses qu'on fait, on sait que c'est bon. Il y a ce qu'on fait, on sait que ce n'est pas bon, même si on n'a pas lu. Parce que tout ce qui provoque la gêne en toi, a dit le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est ce qui est le haram. Tout ce qui, n'est-ce pas, est à l'aise lorsque tu l'accomplis, c'est ce qui est le halal. Pourquoi on se casse pour commettre le haram? C'est parce qu'on sait que ce n'est pas bon. Quand tu vois le nouveau fumeur, là, il ne fume jamais devant ses parents. Il se cache vers la boutique, il allume sa fale, il fait son truc, il vient. Le fumeur de Cali au quartier ici, là, c'est pas au milieu de nous, ils fument. Ils ont l'air ghetto où ils se retrouvent, ils se cachent là-bas. Ils sont en casse-couvrir là, ils ont toujours capuche. Ils mettent sa capuche. Et puis ça, ils fument sa Cali.
Parce qu'il sait que ce n'est pas bon. Donc Allah ici, il couvre. Alors il aura pu citer le péché. Mais il dit, oh mes serviteurs. Ça veut dire que quel que soit ton péché, tu demeures le serviteur, la créature d'Allah. Ah. Allah, il t'appelle avec douceur. Il ne t'appelle pas par ton péché, mais il t'appelle avec le nom qui élève, le nom glorifiant. Ah. Être serviteur d'Allah, c'est vraiment une gloire. Ah. C'est vraiment une position de gloire en tant que tel. Effectivement. Donc Allah, il t'appelle par cette appellation-là. Oh, mon serviteur ou mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. On l'a dit tout à l'heure, le bien qu'on fait là, ce n'est pas pour Allah, c'est pour nous-mêmes. On adore Allah, on loue Allah. En réalité, c'est pour nous-mêmes notre élévation. Ça n'ajoute rien sur le pouvoir d'Allah. Ça n'enlève rien aussi sur le pouvoir d'Allah. Non. De la même manière, quand tu commets le mal, ça n'enlève rien sur le pouvoir d'Allah. Ça n'ajoute rien sur le pouvoir d'Allah. C'est toi-même, ça te rabaisse. C'est pourquoi il dit qu'il a commis des excès à ton propre détriment. Tu t'es fait du mal à tes propres dépens. Tu t'es fait du tort à toi-même. Non. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Continue. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah te dit la tahnatu min rahmatillah. Allahu Akbar. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Pourquoi? Car parce que Allah pardonne tous les péchés. Allah, il pardonne tous les péchés. Tout. Non. Tout ce que tu peux imaginer comme péché, Allah, il dit pardonne tout. Continue. Oui, c'est lui le pardonneur. Et le très miséricordieux. Mais il y a une condition. Continue. Non. Et revenez repentant en votre Seigneur. La condition, c'est de te repentir. Parce qu'il ne faut pas t'asseoir sur ce verset-là pour dire comment Allah pardonne tout. À nous aller. Ou bien comme on le dit dans notre jargon, allons à ça. Toi, tu es dans le péché à outrance. Tu ne cherches pas à te repentir, tu n'envisages même pas de quitter dans le péché. Il y a une condition pour qu'Allah te pardonne. Cette condition-là, c'est de revenir repentant vers lui avec toutes les conditions de la repentance bien réunies. Arrêter le péché, regretter, se repentir, prendre l'intention de ne plus refaire. Il faut respecter ces conditions-là pour qu'Allah puisse se pardonner. Et ce n'est pas aussi difficile que ça. Allons-y. Avant qu'il ne vienne le châtiment. Allah dit, il faut faire tout ça là avant que la mort ne vienne à toi. C'est bon, on peut s'arrêter là. Donc la réponse est donnée. Sourate 39, verset bon. 53. 54. Alors, on peut ajouter même la sourate 4, 18. Mmh. Sourate 4, verset 18. Non. Mais l'absolution n'est point destinée. Si tu vois que le frère a réussi à poser cette question, c'est parce qu'il est encore vivant. Donc, il faut être vivant pour prendre conscience. Il ne faut pas attendre le dernier instant comme Pharaon, qui a attendu les derniers instants de sa vie pour reconnaître Allah. Mais même là encore, Allah, à cause de ça, a fait de son corps un signe. Tu vois? Donc, il ne faut pas attendre l'instant où l'ange de la mort, tel que décrit par Allah, que lorsque l'agonie de la mort se présente à l'homme, lorsqu'il a les yeux hagards et puis il est là à regarder, pendant que nous on crie autour, nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez. Il ne faut pas attendre cet instant-là pour dire « Moi, je crois en Allah ». Non, bismillah, continue. À ceux qui font des mauvaises actions. L'absolution n'est point destinée. C'est-à-dire « Jafama m'a dit mon mi tola kodoukela ». Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Allez tola kodoukela, la frou, et qui s'écrit. Non. Sept. Non. Je me réponds maintenant. Non, lui, c'est fini. Non plus pour celui qui meurt me criant. Donc, Allah, il est clair. Si tu restes dans le mal jusqu'à la mort tombe sur toi, c'est fini. Il n'y a plus de repentance. Mais tant que tu vis et que tu as la possibilité de délaisser, de revenir, Allah il t'accueille, il t'attend à bras ouverts et il est prêt à te pardonner tous tes péchés si tu reviens à lui repentant sincère. Donc n'attendons pas de mourir dans le péché et puis espérer avoir la miséricorde d'Allah. Non. Si on meurt dans le péché, il n'y a plus de miséricorde d'Allah pour nous. On sera comptabilisé en fonction de ce qu'on aura fait comme bien. Rien que pour lui. Mais si on meurt là, c'est fini. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de repentance pour nous, Inch'Allah. C'est clair. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Bon, mon vieux, il y a une question à vous poser, quoi, je ne sais pas. Bismillah. Ok, il y a un de mes vieux pères. Bon, lui-même, il n'est pas musulman, quoi. Mais il y a sa maman qui est musulmane. Maintenant, il n'avait pas dit sa mère. Dans la Mecque, quoi. Il n'avait pas dit sa mère à la Mecque. Maintenant, il dit lui n'est pas musulman. Maintenant, pendant le mois de jeûne, lui il jeûne à cause de sa mère. Maintenant, vous voulez savoir s'il a les mérites. Il a fait partie sa mère à la Mecque. La mère à la Mecque. Non, mais oui. Lui-même, là, il n'est pas musulman. Maintenant, pendant le mois de jeûne, il jeûne à cause de sa mère. Okay. Maintenant, vous voulez savoir s'il a des mérites ou pas. C'est la question qui est là. En tout cas, pour jeune, là, à l'état qu'on l'homme là. Attends, il y a un verset là. Voilà, il se prive de nourriture, c'est tout.
Parce qu'on jeûne sur le principe qu'on croit en Allah. Hein? Tu n'es pas musulman. Maintenant, dans le jeûne, on doit prier. Toi, tu ne pries pas. Et puis, tu dis, tu jeûnes. Champion, va boire l'eau. Ah, il y a un verset même sur la sourate 16. Sourate Nahl. 16, 80. Tu as trouvé? Quiconque fait les bonnes actions, c'est ça? C'est 16 qu'on a d'abri. C'est ça, allons-y. C'est ce qu'elle dit. Allons-y. Sourate 16, verset 97. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. Ah, reviens encore, il n'a pas bien compris. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre. Pause. Il a fait une bonne œuvre, n'est-ce pas? Il est, n'est-ce pas? Il a jeûné, c'est une bonne œuvre. Mm. Mais là, il ajoute cela. Tout en étant croyant. Condition sine qua non. Tout en étant croyant. Continue. Nous lui ferons vivre une bonne vie. C'est ceux-là qui auront la récompense ici-bas et dans l'au-delà. Non. Mais tu n'es pas croyant. Donc, si vraiment il voit que le jeûne est bon, qu'il fasse le pas. On n'a pas besoin d'aller mettre sa tête dans l'eau vers Banco là. L'eau est un peu sale là. On n'a pas besoin de le prendre pour le plonger dedans. Pas du tout. On ne rase pas tête. Ça dit, il n'y a pas autre chose dedans. Il s'assoit seulement, il lève son index avec son cœur. Il récite la kalimatu shahada. C'est tout. C'est tout. Et puis il devient musulman. Il le fait à cause de sa maman. Subhanallah. Tu vois. Donc il faut lui dire de devenir musulman. C'est pendant tout. Qu'il est encore temps. Il ne faut pas il va rester dans ça la journée tout en pensant que voilà, il a les mérites alors que Congo sont menés. Il y a pas de fait grève de la faim. Maintenant, c'est deux questions. Non, c'est tout. Hajj a fait quoi? Il a fait partie sa maman au Hajj. Oui, à la Mecque. Il fait quoi? C'est un brouteur? Son agent. C'est un brouteur. C'est pas un brouteur? Non. Il fait pas busy, ouais, c'est un garçon? Oui. Il fait pas busy, hein? Non. C'est pas un moment de loto? Non. Mais si son agent est halal? C'est bon? Il n'y a pas de souci. Bon, les imams aussi sont là. Si en tout cas. Jamais on a déraillé, ils peuvent nous corriger. Sinon, si son argent est halal, il n'y a pas de problème. Tu peux trouver que il y a un musulman même, il est musulman, mais lui, son argent, c'est l'auto. Ça, c'est tout le monde sait que ça, c'est pas bon jeton. Voilà, ça, il n'y a même pas de discussion dessus. Lui-même, son argent, là, il a un dépôt d'alcool. Ça, là, tout le monde sait qu'il n'y a pas bon. Tu ne peux pas prendre ça pour aller. Ça dit blanchiment spirituel, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Gagner l'argent illicite. Investi dans le licite tout en espérant qu'Allah puisse purifier ton argent là. Ça c'est foutaise. C'est cadeau. Ça veut dire que tu es te foutre d'Allah quoi. Si tu ne sais pas que l'action est mauvaise, auparavant, tu faisais l'auto, tu faisais autre chose, boutaille et autre, tu ne savais pas que c'était mauvais, tu as su, tu t'es repenti, tu allais voir un devancier, un imam qui t'a dit ce que tu dois faire pour compenser toutes ces mauvaises actions, aussi ces vols, tous ces vols que tu as fait là. Bah, boutaille, c'est joli, non hein? Sinon, en réalité, c'est vol. Ouais. C'est vol, c'est un voleur. Donc, tout ça là pour essayer de couvrir. Si l'imam essaie de prendre pour te dire, par exemple, vous faites tel au moins, nous venons chaque année, vous faites ça, pour essayer d'avoir, n'est-ce pas, le pardon d'Allah. Après avoir fait tout ça là, maintenant tu as su que ce n'est pas bon, tu as arrêté. Toi, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu sais que ce n'est pas bon. Tu dis, tu as atteint un bord. Généralement, c'est ce qu'on chez Tant Black la jeunesse. Il y a atteint un dernier bord là. Un dernier ouest. Un cassa là, que ça a rentré boulé, que ça a rentré boulé, il a investi et puis il a arrêté. Il a arrêté. Tu vas jamais arrêter. Non. Parce que Shaitan, il est. On a vu. Je m'assoirais par devant, par derrière, à gauche, à droite. Pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissant. Shaitan a déjà pris engagement. C'est clair. Il va faire en sorte que ton bois que tu attends, ça va pas venir. Ça va venir soit petit. Ou bien quand ça vient 1 million, je ne sais pas comment il vient là-bas. Si ça vient 1 million, tu as un problème de 800 000. Non. Donc le bois ne te servira à rien. Tu as resté dans ça là jusqu'à... Je connais des gens, des amis d'enfance. S'ils m'écoutent, je te dis, ils parlent même. Toujours, ils attendent le bois. Il faut arrêter, frère, ça. Toujours, quand tu lui fais un rappel, il dit, non, tu sais, moi, j'ai atteint un truc. Que ça a venu, quoi, là. Il y a un verset, et puis il est quitté dedans. Ça, c'est un piège de Shaitan. Il est encore dedans. En a un même, lui, il est encore dedans. Il a eu, il a payé même des... Il a investi. Il avait dit auparavant... Il voulait s'approcher de notre groupe. Comme on ne le connaît pas, je peux en parler. Non, c'est pas grave. Personne ne sait c'est qui. Il dit, lui, il fait le mouvement. Donc lui, il se connaît. Non, ça dit, lui seul, il sait, c'est lui, mais ça peut servir aux autres hommes d'exhortation.
Il dit, lui, il attend un mouvement, que ça va venir. Il tournait même, il venait dans les rappels. Il a dit comment Shaitan est fort. Shaitan lui insulte que tu n'es pas digne d'être eux. Nous, on n'est pas des anges. Mais Shaitan lui fait croire que quand tu es eux là, toi, tu fais brou. Et puis tu te promènes à ceux-là. C'est joli à voir. Là. Donc lui-même, hein, lui seul, il dit, ah vraiment, il ne s'est pas dans une bonne posture. Attends, il vient faire un mal. On ne le voyait plus, on l'interpellait, mais ah, tu viens plus. Il dit non, je ne suis pas d'un bon mouvement, c'est pas bon, je vais arrêter. Mais j'ai atteint un truc. Quand ça a venu comme pour un tel, là, puis il a cité un frère qui était dedans, mais qui a quitté aussi, mais qui a pu investir, tout ça. Quand ça sera comme pour lui, là, il a arrêté. Mais quelques temps après, d'abord, le frère même qui l'a cité comme exemple, là, Allah l'a éprouvé. Tellement Allah l'aime. Allah a fait que tout ce qu'il a eu dans ce monde illicite, là, tout est parti. Ça dit. Tu as pensé que c'est malédiction, quoi? Là. C'est s'enchaîner comme ça, pa, 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 tel truc est gâté, tel truc est gâté, tel truc a brûlé, douane a pris tel truc, tous ces trucs sont partis, tellement Allah l'aime. Là. Tout ce qu'il a eu comme illicite, là, tout est parti. Il est reparti à zéro. Et la foi, il n'est pas retourné pour aller chercher encore. Il est reparti à zéro. Alhamdulillah, il se cherche bien. Donc, tu as vu qu'il a cité quelqu'un comme exemple, Allah lui a montré même que ce que tu cites là-même, là, c'est même pas ça. Ah, il a illicite là, il ne laisse pas ça dans la main de mon bien-aimé, Allah a enlevé tout. Oh, parce que Allah l'aime ce dernier là. Non. Maintenant, lui encore, qui attendait son bord, il a eu son bord. Il a eu bord là. Il a payé des taxis. Mais ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il veut construire maintenant un immeuble. Ah, dédié quoi? Parce qu'il a eu des choses où il peut s'asseoir et puis chaque mois il peut compter au moins 10 000 pour pouvoir donner au moins à sa famille. Mais malgré ça, il ne revient plus dans le droit chemin. Oh, il a conscience que ce qu'il est dedans, ce n'est pas bon. Effectivement. Il a conscience que suivre les jeunes qui font des efforts pour appeler vers Allah, c'est ce qui est ça. Là. Mais pourquoi il n'arrive pas à venir? Parce qu'il s'est engouffré. Il est allé dans le Zulmat. Et le Zulmat, plus il rentre dedans, plus ça te couvre. Là. Le Zulmat, c'est les ténèbres. Plus il rentre dedans, plus ça te couvre. Et une fois que ça a couvert ton cœur, attention, tu deviens impénétrable. Parce que c'est les gens, il y a ce genre de personnes là. Il écoute le rappel, mais ça ne lui dit rien. Ouais. Son cœur est devenu impénétrable. Donc, il faudrait faire attention à ne pas devenir comme ça. Je ne dis pas que lui il est comme ça. Mais il faudrait faire attention. Parce que quand tu dis tu atteins un bord là, Shaitan il a son plan. Toi tu penses que tu as un plan, mais Shaitan a son plan pour toi. Lui aussi il va t'engouffrer. Et des mouvements ne vont cesser de venir. Telle personne va venir te voir, faut faire ça, faire ça. Mouvement sur mouvement, tu n'auras plus le temps même de penser même au droit chemin. Effectivement. Ainsi de suite que tu vas, tu prenais sur 18 verset 28, ainsi de suite jusqu'à ce que tu restes dedans. Mais tant que ce dernier là n'est pas comme ça, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi là, il interpelle les jeunes surtout avec ce verset là. Wasbir nafsa kama allazina yad'una rabbahu bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatul hayati dunya. Et ça c'est un verset qu'on aime citer pour nous-mêmes ainsi que pour nos frères jeunes qui nous entendent. Effectivement. Si tu dis que tu es conscient que ce que tu es dedans n'est pas bon, toi tu sais, tu veux quitter dedans, mais c'est difficile. Allah te donne la solution. Le médicament est là. Ton comprimé là, c'est sourate 18 verset 18 verset 28. Non. Fais preuve de patience. Fais preuve de patience. Premier élément, il faut endurer. Fasse bien nafsa. En restant avec toi. Il faut endurer. L'endurance ici, c'est quoi? Peut-être que quand tu étais dans ton brou, ou quand tu agressais les gens au carrefour, ou quand tu gérais ton busy, toi c'est pour les soeurs. Peut-être qu'en ce moment-là, tu arrivais à avoir iPhone 25. Non. Peut-être qu'en ce moment, on venait de descendre dans les 4x4. Peut-être que tu te promenais dans la 1,56 là-bas. Subhanallah. Peut-être que tu roulais dans la X25 des voitures en tant qu'un jeune au quartier ici. Peut-être que tu avais tous ces privilèges là. Ah. Tu faisais le mal. Tu sais que c'est pas bon, tu es quitté dedans. Mais tu n'arrives plus à avoir iPhone 25. On vient plus te descendre au carrefour avec les voitures X25. Tu es venu la risée. Voilà, c'est-à-dire que tu te cherches. Tu es retourné même en famille. Ah. Parce que maintenant tu louais là. C'est l'un des busy qui payait. Subhanallah. Dans une femme, tu habites à la Ribera, tu es dans la maison 125 000. C'est-à-dire tu n'as pas d'activité. Comment tu payes? Question. Et les parents savent ça, ils disent pas. Reviens à la maison, tu as dormi au salon. Ils disent pas. Ça ne dit rien. Il n'a pas d'activité, mais il dort dans la maison, ça c'est 1 000. Ouais. Il paye comment? Si ce n'est pas agresser les gens, mais voler les gens. Elle paye comment? Si ce n'est pas gérer busy. Et ça nous dit rien. Lorsqu'il envoie 5 000, 10 000, on prend. Surtout les parents. Ou les frères et sœurs.
Ça, c'est un problème aussi dans la communauté. Wow. Donc, pour revenir rapidement là-dessus, tu étais dans tout ça là. Tu as décidé de quitter. Donc, tous ces privilèges là. La mère, quand tu passais au quartier, tout le monde te saluait. Hey, c'est comment? On dit, oh, lui, il est tombé, ça. On dit, c'est un poulet. C'est là, là, il dit, fasse bir naf sac. Fais preuve de patience. Il faut endurer. Wow. Tous ceux qui vont dire les critiques. Lui, il a commencé à devenir un frère qui est beaucoup avec les frères de la mosquée. Ils font des programmes à la mosquée. Il prend ses cours, il a changé de style vestimentaire. Il ne porte plus les jeans plaqués, les pétés pétés, il s'habille normalement. On dit, oh, lui, il n'est même plus stylé. Ouais. Ou bien, elle n'est même plus stylée. Elle est devenue ninja. Elle ferme son corps aujourd'hui. Ouais. Toutes ces critiques-là, c'est ça que fasse Bill Nafsak. Il faut endurer tout ce qu'ils vont dire de mal. Pour te décourager du droit chemin, là, il faut endurer tout ça. Là. La diminution d'argent que tu vas avoir, là, parce que tu n'as plus l'an illicite que tu gagnais avant, il faut endurer tout ça. Là. Il y a beaucoup de choses, on peut prendre ça même pour faire un rappel, ouais. Mais on va se limiter à ça. On continue. En restant avec ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir. Deuxième élément, il faut changer de milieu. Il faut changer de milieu. Al-Mar'u, Al-Adini, Khalil. C'est ce que nos savants nous ont dit. L'homme, il embrasse la religion de son ami. Al-Mar'u, Al-Adini, Khalil. Donc, si tu marches avec un voleur, il ne faut pas t'étonner quand on t'attrape un jour au carrefour pour te frapper. Tu marches avec une chercheuse de mari des gens. Il ne faut pas t'étonner quand on tombe sur toi pour griffer ton visage. C'est clair. Tu marches avec un braqueur, il ne faut pas t'étonner que PJ vienne tomber sur toi au grain. C'est clair. Donc il faut choisir ses fréquentations. C'est pourquoi là il dit, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. La voie tu veux emprunter là, il y a des jeunes déjà dedans. C'est à ceux-là qu'il faut te lier d'amitié. Allah. Ma soeur, le voile tu veux porter là, il y a des filles plus belles que toi, qui ont plus de diplômes que toi, qui sont plus intelligentes que toi. Mais qui ont porté le voile avant toi. C'est avec celle-là que tu dois marcher. Pour profiter de leur expérience. Mais toi, tu portes voile. Celle qui est à côté de toi, elle porte culotte. Excusez-moi du terme. Rate fesse pour se promener. Subhanallah. Aujourd'hui, c'est ça. Rate fesse, c'est le dessous, excusez-moi, des femmes. Avant, on n'en voyait pas. Si ce n'est pas peut-être dans les magasins. Mais aujourd'hui, les femmes portent ça pour se promener au Ramblais ici. Et c'est celle-là même qu'elle porte ça. Là, elle fout, il a dit ça tout à l'heure dans le rappel. Elle fout le t-shirt. Il ne faut même pas tout ça descendre dessus pour cacher. Elle fout ça derrière. On n'a qu'à savoir qu'elle a porté ça. Bon, toi, tu veux porter le voile et puis tu marches avec une soeur comme ça. Là. Ah ouais. Il y a deux cas. Et le seul cas même qui est vraiment palpable, c'est qu'elle va te tirer pour aller. Mm-hmm. Parce que j'aurais voulu dire, si tu ne la tires pas, c'est elle qui va te tirer. Or, toi-même, tu te cherches. Donc, ce qui est vraiment probant, c'est que c'est elle qui va te tirer pour aller. Donc, il faut quitter ce genre de milieu-là. Le grain, quand il vient là, on finit pas de parler de faire de chercher femme des gens. Ouais. À faire de qui a l'argent que qui. C'est quel joueur qui est plus fort que qui. Ouais. Les causeries futiles. Futilité seulement. Toi, tu dis tu es changé, mais toi, ton grain, l'endroit que tu fréquentes le plus, c'est ce genre d'endroit là. Ils vont s'asseoir matin jusqu'au soir, un dimanche. Il n'y aura zéro rappel dans leur causerie. Pas du tout. Faut fuir. Fuis ces jeunes endroits-là, quitte. Mathématiquement, le soir, on ne dit pas de ne pas parler des choses modernes, on peut en parler un peu. Mais dans toutes vos causeries, là, il n'y a rien qui parle d'Allah dedans. Jusqu'à 4 heures. Il faut quitter. Faut fuir. C'est-à-dire, la manière que tu veux fuir l'enfer, là, fuis ces jeunes endroits-là. Ma soeur, toi, ton coin où tu vas t'asseoir au marché, là, tu ne sais pas critiquer les gens, là. On ne parle pas d'autre chose là-bas. C'est eux qui connaissent les défauts de tout le monde. Ah. Il faut quitter. Il n'y a pas parole d'Allah là-bas. Il faut quitter dans ce genre d'endroit-là. En tout cas, si tu es changé, c'est pourquoi là, il dit, en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Qui tu dois fréquenter? C'est ceux-là qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Ils ne sont pas des anges, ils ne sont pas aussi parfaits. Mais ils font des efforts pour être parfaits. Ils font des efforts pour tendre vers la perfection. Et ensemble, vous allez vous entraider. Vous allez vous entraider dans les bonnes actions, dans la piété. C'est ceux-là. Ceux qui invoquent le Seigneur matin et soir, c'est avec ceux-là que tu dois marcher. Parce que tu es conscient de tes faiblesses. Tu sais que toi, le voile est difficile pour toi. Tu sais qu'accomplir la soirée à l'heure, c'est difficile pour toi. Et tu t'assois avec les gens qui ne prient pas. C'est un paradoxe. Exactement. Quand tu te demandes, tu dis non, moi-même, vraiment, où ça se fait droit pour moi, hein, je vais faire. Mais il n'arrive pas. Mais regarde, la personne, tu es là, même là, même là. La personne, même là, même là. Tiens. Il n'y a rien dedans. Il faut le fuir. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Va te former. Si tu l'aimes vraiment, viens lui faire dawa. Là.
Si tu aimes vraiment ta camarade là, quitte-la. Va te former. Quand ton cœur sera vraiment aguerri, viens la tirer pour aller où tu es là. Ouais, c'est là-bas, il y a goût. Effectivement. Donc, reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, parce qu'ils désirent la face de ce Seigneur-là. Voilà, ta'adu aïna ka'anhum turidu zinatul hayati dunya. Et que tes yeux ne se détachent point de ceux-là, en recherchant le faux brillant de dunya. Parce que quand il y a ceux-là, vraiment, il y a l'ambiance, il y a le faux brillant, vous vous encouragez dans le mal. Parce que le mal aussi, là, c'est ce qui est bien vu dans notre société. Toi, tu penses que c'est ceux-là qui sont le bien. Allah dit non. Que tes yeux ne se détachent point de ceux qui invoquent les Seigneurs matin et soir en recherchant le faux brillant de cette dunya. Comme je l'ai dit, ça c'est un thème de rappel. Mais on essaie de brocher tous les thèmes, tous les endroits pour que, Inch'Allah, ça puisse être un rappel pour vous ainsi que pour nous aussi. Donc tout ce qui a été dit, que l'on donne la compréhension, que l'on nous pardonne aussi nos erreurs. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, Inch'Allah. On dit, il y a... On va faire l'annonce. Il y a un après, papa... Après, on fait l'annonce. On dit, il y a un papa qui a perdu son épouse, c'est ça? Inch'Allah. Que l'on lui fasse miséricorde. Bismillah. Alhamdulillah, fuma salat wa salam ala rasulillah. Qu'Allah accepte. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'il fasse de nous... Qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On a appris une nouvelle triste. C'est-à-dire qu'on a un papa dans la cour qui a perdu son épouse. Et on nous a fait cas de cela. Et on demande à la Jama de faire des doigts pour notre maman. Donc, Inch'Allah, je suis là pour faire des doigts. Et Inch'Allah, on va dire Amin pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et je pense que tout le rappel que les frères ont pu faire, c'est pour ce jour-là. Si tu en doutais, sache que c'est une réalité. Notre papa vit ça aujourd'hui. Les enfants de notre maman vivent ça aujourd'hui. Elle est partie vers son Seigneur. Et nous espérons que ce départ-là soit bénéfique pour elle. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est inéluctable, c'est inévitable. C'est un décret divin. Qu'Allah nous donne ce jour-là dans les meilleures conditions. Qu'Allah fasse que le jour où nous allons retourner vers lui, que ce soit à une période où il nous a agréé et nous aussi on l'a agréé. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa'akrim nuzlaha wa'asi'a mudikhalaha wa'aksilha bil ma'i wa thaldi wal barad wa'naqiha min al-dhunubi al-khataya kama yulaqu thawb al-abyad min al-danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك وبالرسالة وماتوا على ذلك آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم وعفوهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك الحمد لله دونك قال لي فاس ميزيكورد اي قال لنا دون توس اون بون فين Allah donne la patience à notre papa Amen. Et qu'il le maintienne longtemps auprès de nous Amen. Dans les recherches de miséricorde pour nous Amen. Défunts. Amen. Qu'Allah accepte les choses. Qu'Allah accepte. Et qu'Allah fortifie notre père. Amen. Parce que c'est en fonction de la grandeur de l'épreuve que la véritable foi de croyance se détermine. Qu'on l'a dit à Bidi Bonya. Qu'on l'a dit à Bidi Bonya. L'a dit à Bidi Baramika. Baralamika. N'animenya Kohol. Qu'Allah nous donne la force Amen. De vraiment démontrer notre foi Amen. Dans les épreuves. Amen. Beaucoup de courage et qu'Allah fasse miséricorde à maman. Amen. Elle nous a dévancé, Amen. Mais nous allons la rejoindre un jour. C'est clair. Inch'Allah. Sourate 4, le verset 26 à 29. Bismillah. Sourate 4, le verset 26 à 29. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage. Non. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous inclinez grandement vers l'erreur. Allah veut recueillir notre repentir, mais les amoureux de la passion. Mm. Les amoureux des plaisirs de ce bas monde
ceux qui ont pris leur passion pour des divinités, parce qu'ils ont placé toute leur confiance dans leur passion, veulent nous incliner, nous empêcher de nous repentir, de revenir vers notre Seigneur. Continuons. Alors, vous allégez les obligations. Non. Car l'homme a été créé faible. Nous avons été créés faibles. Non. Allah, il sait qu'il nous a créés faibles. Effectivement. C'est pourquoi, au nom de cette faiblesse, on doit toujours revenir vers lui. Non. Solliciter son aide pour qu'il nous fortifie. Effectivement. À garder la ligne droite. Alors, rappelez-vous du prophète Youssef, alayhi salam. Alayhi salam. Lorsque sa tutrice a voulu abuser de lui sexuellement. Il a dit quoi? Allah, si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Effectivement. Ça, c'est Youssef. Hein? Non. Lui, le prophète d'Allah. Choisi d'Allah. Quand on a un moment, on ne se joue pas le gros bras devant l'épreuve. Cherche toujours protection auprès d'Allah face à l'épreuve. Non. Bismillah, on continue. Oh, les croyants. Non. Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Non. Mais qu'il y ait du négoce légal entre vous. Allahu Akbar. Par consentement mutuel. Non. Et ne vous tuez pas vous-même. Allahu Akbar. Allah, en vérité, est miséricordieux envers vous. Le pécheur, en réalité, est suicidaire. Parce que celui qui demeure ou pratique le péché est en train de se suicider. Effectivement. Ne vous tuez pas vous-même. Non. Éloignons-nous du péché du mieux que nous pouvons. On ne peut pas être des anges. On ne peut pas aussi atteindre la dimension des prophètes. Effectivement. Mais on peut quand même essayer de les imiter. Non. On peut faire l'effort d'éviter ce qui doit être évité. Effectivement. En nous rapprochant de ceux qui peuvent nous encourager à embellir cette foi-là. Non. C'est pourquoi on est là. On va dire non, tu es devenu musulman, tu es devenu Gawa. Gawa vit mieux. C'est clair. Le Gawa, il est à l'aise. Effectivement. Parce que faut étaler Hakrin Ramina. Non. Que non, il y a tel pantalon qui est à la mode, les gens courent. Gawa, lui, il est assis. Il réfléchit même quand il va manger à midi. Effectivement. Donc le Gawa vit mieux. C'est clair. Soyons des Gawa pour Allah. Non. Des Gawa qui restent dans le tempo, dans la limite. La limite du faisable. Effectivement. On ne va pas au-delà. C'est ça le Gawa. Non. Il ne cherche pas à aller au-delà de sa possibilité. Il ne cherche pas à aller au-delà de ses moyens. Effectivement. Parce qu'en voulant aller au-delà, non. On l'a la haut de l'équel. C'est clair. Ni manque à quel. Effectivement. Parce que tu veux vivre mieux que ce que tu es. Hallelujah. Ou ce que tu as. Non. C'est ce qui nous plonge à aller faire broutage, à aller vendre dose. Toi, tu vends dose pour détruire les autres. Hallelujah. Et puis, tu veux t'en sortir. Histoire de dire à nos soeurs, encourageons-nous mutuellement à nous habiller décemment. Non. Parce que la femme doit pouvoir protéger sa société. Effectivement. Allah dit, vous avez dans vos épouses et vos enfants une épreuve. Non. Il n'a pas cité nous les hommes. Parce que Moussoura est la durabilité. C'est clair. Ayurob est la durabilité. Effectivement. Même Agnachir est la durabilité. Donc il faut croire son bras. Donc il tend le Moussoura essayer. Voilà. Donc la femme même, c'est une épreuve. Même. Non. Et les gens ont l'impression que nous emprisonnons les femmes en islam. Non. Non, non, non. On protège en réalité ceux qui sont puissants. Effectivement. Quand on voit les gardes corps autour du ministre Bamba Cheikh Daniel, non. Est-ce que c'est parce qu'il est faible? Quelqu'un qui a ceinture noire, il ne sait pas combien de dames. Effectivement. Il n'est pas faible. Mais c'est parce qu'il est important qu'on le protège. Donc c'est une personne importante qu'on protège. C'est parce que les femmes, elles sont importantes. C'est pourquoi on les protège. Effectivement. Le président le protège parce qu'il est important. Il n'est pas faible. C'est clair. Donc n'ayez pas l'impression que quand on essaie de canaliser la femme, la sécuriser, l'encadrer, l'entourer, on l'emprisonne. Non, elle est importante, donc on la protège. Non, et elle doit prendre conscience de son importance. C'est clair. Parce que tu es une industrie de procréation humaine. Effectivement. Ni quand on a demandé ici, c'est parce que Moussoula en Djema. Derrière elle, en bas, c'est une canne. Elle permet à la race humaine de continuer à exister jusqu'à ce qu'elle ait décidé. Non, Akbar. T'as dit qu'il y a un massacre. Non. Pas les massacres là. Effectivement. Mais massacre est vrai pour Nabi Gatima Abaka. Le fabricant d'un téléphone est plus respecté même que sa mère. C'est clair. Pourtant, ça devait être le contraire. Effectivement. Mais au Kela Senimaka, Monsieur Aibra Boy place là. Non. Aibra il est que trop fini. Même femme, il y a pour 200 francs. 200. Monsieur Binanta. C'est bien, non, non. Voilà. Ne me demandez pas où ça. Comment tu sais qu'il y a femme de ça? Ah! Nous sommes des observateurs. Il y a femme de ça. Vous vous rendez compte?
1000 francs, 500, on négocie. Femme. Subhanallah. Pourtant, n'oubliez pas quelque chose. La matière qu'on appelle l'islam, c'est une empreinte. C'est une empreinte. Il y a certains qui nous disent que c'est une empreinte qui ne s'efface pas comme ça. Et la femme, c'est l'être qui réceptionne. Effectivement. Qui reçoit. Ibra Shakata, Ibra Abuta, Ibra Solota, Ibra Drissata, Ibra Kata. Tu réceptionnes. Qui va oser aller manger dans une poubelle? Y'a la menace qu'on va dominer la poubelle. Quoi. Donc, il faudrait qu'elle prenne conscience qu'elles sont sacrées. Effectivement. Leur corps est sacré. Non. Tellement sacré, Allah il a fait descendre une sourate comme Moussoï. Et un sourate les nuits. Tellement vous êtes sacré. Donc, au nom de cette sacralité-là, montrez à ces hommes pervers que vous valez plus. Vous valez mieux que ce qu'on pense de vous. À l'époque, quand les gens revenaient de la guerre, on prenait les femmes pour aller les dénuder et puis elles défilent. Les militaires, comme ils sont quittés au front, chez les blancs là-bas, pour qu'ils puissent déstresser, ces femmes, on prend ses habits et puis elles défilent. C'est de là qu'est née Miss. C'est là-bas qu'elles quittaient leur histoire de Miss. Deux personnes sont en train de faire boxe. Il est moussou du raccord, il est tableau, tant il passe. Quel est le lien entre une femme nue et deux personnes qui se boxent? Mais en réalité, on veut montrer quoi? Les gens savent quelle est la valeur de la femme. Ils savent comment la femme peut amener l'homme à accepter quelque chose, même s'il ne veut pas. Ils savent ça. Et comme l'islam sait ça aussi, l'islam protège la femme comme un garde du corps, qui protège un être qui est puissant. Elles n'ont même pas encore pris conscience même de toutes les capacités. Le joueur prendra conscience, on a dit à Damou. Et quand Kramoua il rêve dans la genou là. Et quand même, qui est tiens, il m'a bien malé bas. Il refouvre la crème, il y a de bon courage, c'est un gars bignard. À la femme qu'on a dans. Amen. Mais ça vous dit que la femme doit quand même être soumise, obéissante, respectueuse. Elle n'est qu'il place l'homme. Quand tu connais, l'homme qui est fort, c'est lui qui demande toujours pardon. C'est clair. Fantine, t'as un rire là. C'est pourquoi la femme doit rester humble, tranquille. Le gars il fait, il est magique. Que tous les célibataires puissent se marier. Amen. Parce que c'est quelque chose aussi d'intéressant. Qu'à la fasse que celles qui n'ont pas encore de mari puissent avoir des maris. Amen. Qu'à la fasse que ceux qui en ont une puisse avoir quatre. Amen. Mais monsieur, il reste son dos. Est-ce que vous voulez que les garçons prennent quatre femmes? Et ils attendent votre OK pour commencer. On prend quatre ou on prend pas? Nous allons donc lever le destro. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum.